ערב טוב. עבר איתי דף קכ"ו. רבינו, שבוע טוב. שבוע טוב, סבבה? ברוך השם. עבר איתי דף קכ"ו ג' עמוד ב', אה? עומד לפאז' כבר. Oui, Oui, juste, oui. Catherine, y'a pas la fin. Je vais prendre ma Gemara. Donc, Catherine, y'a pas la fin. Amar Rabbi Elazar. Amar Rabbi Elazar. Canine. ומקלות, גלוסטרה ומדוכה, כולן קודם התרת כלים נשנו. Donc, comme on a vu qu'à l'époque de Rabbi Nehemia, eh bien, Nehemia ben Hachelia, on a vu qu'on a interdit, comme on a vu que, comme ils ont vu les Hachamim, que l'âme était mezalzel de Shabbat. Ils ont interdit de porter plein de choses. D'accord? Et après, au fur et à mesure qu'ils se sont améliorés, ils ont autorisé certaines choses. D'accord? Sauf que on a permis Klish Martolet, les solaires bouffons, comment, les Hamal, les Selsim. Alors, bon, comme on a vu les Chitot en haut. D'accord? Alors, le Gemara dit, Rabbi Elazar dit, Amar Belazar, c'est ça, on a commencé là. C'est ça, les quatre Mishnayot. On voit là-bas, on a interdit certaines choses de déplacer pendant Shabbat. Et la Bilaza nous dit que ces interdits-là, c'est parce que c'était avant qu'on autorise de porter, de déplacer ces ustensiles-là. Regardez les Rashi Katrin avant la fin. Chodematat Kelim. Yann Acharon, Sheutar Ukulan, les Sora Goufan, la Abaye. On a la vaf, le soleil mekomo. D'accord, Minyan, ça veut dire que c'était enseigné avant le Minyan Aharon, où on a vu dans Minyan Aharon, on a autorisé, selon Abaye, le soleil bouffo. Minyan, mais la chose, c'est Nimno Vétero. Voilà, même le soleil mekomo. D'accord. Très bien. Donc, Amar Abil Azar, Tanin, Umakalot, Glustera, Umdoucha, ce sont quatre sujets. On verra juste après. Kulan, Kode Matarat Kelim Nishnu. Tous les interdits qu'on avait cités dans ces Mishnayot-là, c'est avant Atarat Kelim. On y va. On commence par le premier cas. Kanin. Detnan. Los Idura Kanin Velon Etilatan Dohet HaShabbat. C'est quoi les Kanin? Vous savez que dans le Lechem HaPanim, il y avait 12 pains, 6 de chaque côté, il y a deux rangées de 6. Et entre les pains, on ne veut pas que le pain. Un, il s'alourdit sur l'autre et donc, mit à pêche, commence à s'abîmer. Alors, on mettait des canines entre les pains. D'accord, des canines entre les pains. Eh bien, le Tana nous dit, l'ossidura canine velon et tilatan, ni ranger les canines, ni les retirer, eh bien, sachant que c'est le jour de Shabbat où on mettait le nouveau pain et on récupérait les anciens pains. D'accord, donc l'osidura tanim, on mettait entre les pains dans la maharaka, les hemapanim, entre chaque pain, oui, pour les séparer, comme l'expliquait, et ni le retirer de la maharaka yeshena, ouais, eh bien, dohet à Shabbat. Ni l'un ni l'autre. Alors, Rashi dit, deux lignes avant la fin, Rashi, et là, nichnas b'erev Shabbat, v'lotel akanim, erev Shabbat, tu enlèves déjà les kanim. D'accord. Benotel akanim ou machar mesalek amaracha. Le lendemain, donc Shabbat, pendant la période de Moussaf, il enlève les pains, puis il met les nouveaux pains. D'accord. Les anciens pains vont être consommés. Ou machar mesalek amaracha shnam tzedara chadasha belo kanim sans les kanim et motzei Shabbat, il glisse les kanim entre les pains de la nouvelle maracha. On n'a pas peur les apesh, mais voilà, on a une jour. Ouais. On n'a pas quelques heures, on n'a pas peur. On m'a fait Shabbat, Nichnas, Unotel, Kanim, Benehem, Zo,
Nishnit Kodem Hetera Ot et Minyan. Il dit ça, ça a été enseigné avant même Minyan Arishon. C'est-à-dire quoi? Parce que ça, a priori, les Kadim, c'est Mlachtan le Heter. Et quand même, on a interdit les Sora Goufan. Or, le premier Heter qu'on a vu dans la Gemara, oui, c'était voilà, celui-là, c'est interdit. Bien que c'est Martolet et le Soleil Goufo, c'est-à-dire on était avant même le Minyan Rishon, avant même le Heter Rishon. On continue. Ça, c'est le premier cas. Makalot, c'est quoi l'histoire des bâtons? Vietnam. Alors, le Korban Pesah, vous savez qu'on faisait le 14 Nissan, le Korban Pesah de tout l'âme Israël. Donc, il y avait énormément de Korbanot. Alors, on utilisait des bâtons pour pouvoir dépecer la peau. D'accord? Makalot Dakin, Halakin, Ayusham, Omani Hol, Ktefo, Valketef, Shel Havero. Là, et mon ami, on mettait la bête dessus. Entre les deux amis, quoi, sur le bâton, afin de pouvoir dépecer la peau. D'accord? Quand j'avais pas et de masque. Qu'est-ce qu'il fait le dépeçage de la peau? Eh ben, eux, les Kohanim, ils sont là. L'un et l'autre. Ouais, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Bon, c'est pas évident, hein. Moi, c'est mon. Bon, je dirais que t'as l'habitude. Non, tu as, c'est pas. Mais on peut imaginer l'affaire. Tu as le maquel sur l'épaule. Ouais, avec une main et l'autre main, il le faisait. Ouais. Oui, alors, oui, oui. Alors, Makalot, Dakin, Tchalakin, Ayusham, Manihol, Ktefo, Ktef, Havero, Vitoli, Humavshit. Ok, ça aussi, a priori, c'est un cliché, Mlachto, l'éther, étant donné que dépecer la peau pendant. On verra le canet, c'est Mlachto, l'éther. Oui, le cadet, c'est Mlachto l'éther. Pourquoi? Voilà. Parce que de toutes les manières, c'est vrai qu'on posait sur lui l'animal. Mais même dépecer, c'était autorisé pendant le Shabbat. D'accord? Ah. Donc, ce n'est pas les sourds. Amar Abil Azar, ou l'Abil Azar, Arba Azar, Shechal Yod de Shabbat, comme cette année. Ouais. Si maintenant le 14, c'est un Shabbat. Maniach yado al katef chavero yad chavero al ktefo vetoleo mafshit. On n'utilise pas les bâtons. Pourquoi tu n'utilises pas les bâtons? Parce qu'il n'y a pas encore eu le heter arishon. Tu mets ta main sur l'épaule de ton ami met sa main sur ton épaule à toi. Ouais, donc ça fait comme une sorte de. Et tu mets un croix, bâton. Croix, comme croix. Et tu mets. Quoi, croix? Non, ça me tient à le katef. Ah, c'est-à-dire les deux. Comment ça se marche? Ouais. Ah, les deux. Moi, je mets ma main sur le katef de Haveri. Et lui, ouais. il met sa main dans mon katef voilà. À moi. Et après, donc, on va voir. Hein? Après, on met la bête entre nos deux mains, nos deux épaules. Comment on va le mettre entre les deux mains? Les deux mains, il y a halal. Sauf si on le met comme ça, l'autre il met par exemple dans l'épaule gauche et l'autre dans l'épaule droite de l'autre, donc il va voir comme un croix. Et là on peut les clôter. Sinon, comment tu vas les clôter, Tom? Bon, je sais pas, je laisse ton imagination fonctionner comme elle veut. Alors dis-moi comment il fait fonctionner. C'est pas le problème, et il met sa main, l'autre il met sa main sur ton épaule, donc ça fait un bout de bois comme ça, et tu mets l'animal dessus. Je sais pas, c'est pas ton problème. Et le bois, on le met le bois? Il n'y a pas de bois. C'est comme le bois. Comme. Ah, comme le bois. Si maintenant, moi, je mets ma main, lui met sa main. Donc, on a un truc comme ça. Bon, je m'imagine maintenant. Peut-être que je me trompe. Je vois pas pourquoi ce serait compliqué de comprendre comme ça. Au Hershiyé, en tout cas, l'essentiel, c'est on n'utilise pas les bâtons. Pourquoi? Parce que c'était avant Eter Kelim. Mm-hmm. Troisième, Mishnah Gloustera. C'est quoi Gloustera? Le Rashi dit que, vous savez, Gloustera, c'est quoi? C'est quand même une sorte de piqué avec une boule au milieu. Les secrobiles même. Avec quoi? Voilà, on bloquait la porte avec. D'accord? Detnan, Neger Siège Berocho Gloustera.
Rabbi Yoshua Omer, Shomta min Petah Zevel Tore Bahavero, Beshabbat. Dit Rabbi Yoshua Shomta. Alors Rashi explique pour qu'on comprenne la Sugya. Shomta min Petah Zevel Tore Bahavero, ça veut dire tu l'enlèves d'une porte pour le mettre dans l'autre porte, mais attention, pas en étant métal tel auto, Alide Grira, en le traînant. D'accord? On dirait que c'est quelque chose qu'on peut traîner. En le traînant, c'est uniquement comme ça que c'est autorisé. Aval tiltul gamur la, dit Rashi. Bien qu'a priori, l'artol est éter, et c'est soit la bouffe, j'ai besoin de l'utiliser lui-même, afin qu'il pique, selon Rabbi Yoshua, ce n'est pas autorisé. Par contre, Rabbi Talfon, on peut le déplacer dans le haser. Rabbi Talfon, il n'y a pas de problème, tu peux le déplacer normalement comme tous les autres Kelly. D'accord, mais Rabbi Yoshua, il interdit. Pourquoi Rabbi Yoshua interdit que c'est Marto, l'éther, les solas bouffo? Parce qu'on est avant même le premier éther Rishon. D'accord? Eh bien, ça, c'est l'histoire de Gloustera. Troisième. Medocha. Alors, juste, il y a une Tosfot ici, dans Tosfot Koufravgim et la Moudvet. Le dernier Tosfot, il est sur cette Sugmara là. Afagav dirko de matarat kelim nishnit, et kale memal kechol kelim kain kosot ukalo. Tosfot, tu ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire, Aléou, kechol kelim mitaltel? Puisque tu m'as dit, tu es en train de me dire que c'est Rabbi Talfon. Ouais, tu es en train de dire, Aléou, kechol kelim mitaltel, n'est-ce pas? En mitaltel, perhassel. Tosfot, tu ne comprends pas. Mais tous les kelim, puisqu'on est avant atarat kelim, tous les kelim, on n'a pas le droit de les déplacer. C'est quoi, Ré-I, Kekhol Akelim? Alors, toi, il faut répondre. Afagav de Kod de la Matarat Kelim Nishnit, et Kalemema, quand je dis Kol Akelim, c'est quoi ma Kavana? Kekhol Akelim, Kiren, Kosot, Ukarot. Je ne sais pas si tu peux rappeler, Tosfot, ils avaient dit que quand même, Kosot, Ukarot, les ustensiles, les verres, les assiettes, d'accord? Cela, bien sûr, ça a toujours été autorisé. On n'a jamais pensé à interdire ça. D'accord? Bon, donc c'est ça la kavana qui chol à kelim, comme les kosot ou karot, c'est ça la kavana. Dernière, donc on a expliqué quoi? On a expliqué kanin, makalot, gloustera, il nous reste le dernier medoucha. Medoucha, ade amra. C'est ce qu'on a vu en haut, la medoucha. S'il n'y a pas de chou à l'intérieur, on n'a pas le droit de le déplacer. Alors, vous allez me dire, mais on a déjà vu. Pourquoi on n'a pas le droit? Quand on a dit on n'a pas le droit de le déplacer, selon Rava, la Kavana, c'était Mehama, les sels. Et pour Abaye, pourquoi c'est interdit? C'est les soreres, mais comment? Pas les soreres gouffons, les soreres, mais comment? Qui sont tous les soreres? Les soreres, mais comment? C'est interdit sur Abaye. Alors, selon Rabbi Lazar, c'est lui qui parle là, ça s'appelle Shinouyed Hiqe, ça. C'est Rashi qui dit ça, hein, c'est pas moi. Et la croix des matériels qu'il est Mishnou. Pour lui, pourquoi la Medoucha, lorsqu'il n'y a pas le choum à l'intérieur, on n'a pas le droit de le déplacer? Parce que cette Mishnah, elle a été enseignée avant qu'on commence à être matir les kelim. Quoi? Medoucha, de Amra. Très bien. Amar Rabba. Maintenant, Rabba, qu'est-ce qu'il veut, Rabba? Rabba, il va dire, c'est pas sûr. Tout ce que tu as dit, que les quatre Mishnayot ont été enseignés avant Atarat Kelim, c'est pas sûr. On y va. Amar Abba Memai, qui t'a dit? Dis le malheur, la Memalach, les Aharatat Kelim. Je peux te dire que les quatre Mishnayot ont été enseignés après Atarat Kelim. Les Aharatat Kelim Nishnu, Kanim Tamamai, Mishou Mirapouche, Ben Porta Allah Mirapesh. Kanim, pourquoi on n'a pas autorisé de les mettre, de les retirer pendant Shabbat? Toute la raison pourquoi on met le Kanim, c'est Mishou Mirapouche, comme on a dit tout à l'heure. Ça ne pourrisse pas. Il n'y a pas besoin de se fatiguer à mettre et retirer des kanim pour époucher, étant donné que c'est que quelques heures, d'accord, comme on dit tout à l'heure. Donc, il n'y a pas besoin de le faire. C'est pourquoi, comme il n'y a pas besoin, tu ne te fatigues pas pour le faire. C'est pour ça que je ne t'arrive pas à le faire. Voilà la raison pourquoi on ne met pas les kanim pendant Shabbat. Ni on les met, ni on les retire. Je n'ai pas compris pourquoi Alors, pourquoi on interdit, même après chez Hétéro? Après chez Hétéro, pourquoi on a quand même interdit? Parce que ce n'est pas nécessaire.
Hein? C'est pas Ah, nécessaire. parce que c'est pas nécessaire. Voilà, parce que c'est pas OK. nécessaire. Deuxième Voilà. chose, deuxième djinn. Makalot, pourquoi makalot? Donc, Rabbi Eliezer a dit que quand ça tombait Shabbat, on n'utilisait pas les makalot, on mettait les mains. Ouais. Pourquoi? Parce que Fchal Rabbi Eliezer. Parce que tu n'as pas besoin d'utiliser les mains, parce que tu peux le faire avec les mains. Ah oui, c'est pas la peine de faire le maclot. Voilà, pas besoin. Alors Oui, maintenant, bon, Rabbi Eliezer. il y a quand même, non, comme tu peux faire quand même plaisir avec les mains, il n'y a pas besoin donc d'utiliser les makalot. D'accord. D'accord. Troisième, Cloustéra, Kederabiana. Pourquoi Cloustéra? Alors ça, c'est un peu plus compliqué. Cloustéra, pourquoi Rabbi Joshua, il a dit qu'on peut que le Edgorer Roto, qu'on peut que le traîner. D'accord? Pourtant, c'est un cliché marteau. Les Éther, le sol est gouffo. Alors, je savais de quoi on parle. On parle d'une cour où on n'a pas fait le Hérou. Donc, il y a plusieurs maisons. D'accord, la glosse se trouve dans une maison sous la porte d'une maison. Et toi, tu vas déplacer d'une maison à l'autre maison en passant par le Hasser. Pourtant, ce n'est pas mémorable. Alors, Rabbi Yoshua, il pense que Torah Petach, l'endroit où il y a la porte, Torah Petach, eh bien, c'est considéré comme étant l'intérieur. Et donc, c'est la raison Raison pour laquelle, sauf. quand tu vas le prendre, tu vas le mettre dans le Hasser, tu passes d'un privé à un Reshut Hayachid public. Donc c'est pour Là, je cette te donne raison la preuve qu'il n'y a sauf. pas eu de Hérouv. D'accord, la question qu'on a sur ça, alors pourquoi tu permets les dégâts là? D'accord? Hein, tu ne devrais pas autoriser du tout, même les dégâts là. Mais Et là, donc, il y a ce sujet, pas, il y a. ça, hein, difficile. Ah, OK? Alors, les Rishonim, ce n'est pas moi qui la pose. Les Rishonim ont posé cette question-là, ils ont répondu. Donc, par exemple, il y a le Ran, il répond. Il dit, parce qu'on ne voit pas trop Behemet, que c'est l'intérieur. On ne voit pas trop que ça s'appelle l'intérieur. C'est Hidouch, hein? Il répond, il dit, Kivan Shelo Nikav, chez Shabbat Lifnim. On ne voit pas trop qu'il a passé le début de Shabbat à l'intérieur, que c'est là où il est le Neger, le Gloustera, c'est une partie qui est limite, intérieur-extérieur, intérieur de maison, extérieur de la maison court. D'accord? Donc, Lo Nikav, c'est pourquoi il a autorisé. Et pourquoi on ne peut pas répondre? Parce qu'elle a dit tour. C'est pas tout à fait bifnim. C'est pour cette raison, on va dire Alors, ça. peut-être, tu veux dire qu'en fait, l'air à l'âme, ça s'appelle Hous. Voilà. Maintenant, comme aux yeux des gens, ça a l'air d'être Bifnim, c'est pour ça qu'on a Voilà. donné le djinn de Lifnim. D'accord? Voilà. Comme ça, il répond le Ritba, Behemet. Voilà. D'accord? Maintenant, même sur cette question, cette réponse-là, il y a un crochet. Si c'est pour les gens, ils croient que c'est intérieur, et finalement, tu l'autorises à aider Grira. Alors, les gens, tout ce qui se trouve à l'intérieur, ils vont se l'autoriser à les dégrader là. Ce qui est mamache à l'intérieur, ils vont se l'autoriser à les dégrader là. D'accord. D'accord? Donc, Gamze, ça veut dire les rayennes. Bon, en tout cas, voilà la question. Elle est posée par les Rishonim. Les Rishonim cherchent une réponse là-dessus. On continue, nous. Ça, c'est la raison de Rabbi Yehoshua. Voilà pourquoi il ne veut pas qu'on déplace de manière claire que à les dégrader là, uniquement, c'est autorisé. Rabbi Tarfon, ça va. Par contre, Rabbi Tarfon, il a autorisé complètement. Pourquoi? Parce que lui pense, Torah Petach, non, Torah Petach, ça s'appelle dehors, ça s'appelle plus à la maison. Et donc, ça s'appelle le Hasser. Et si c'est Hasser, tu peux faire ce que tu veux. Tous les Dvarim, chez Shaft ou Shabbat, tu peux les déplacer où tu veux dans le Hasser. D'accord? Au Mana de Hasser, Behasser, Ka Metalte. OK. Yes. Medoukha. Maintenant, l'histoire de la Medoukha, pourquoi, s'il n'y a pas de choum, je te l'interdis. Rabbi Nehemia, et comme on l'a déjà vu en haut, Rabbi Nehemia pense que En Kli Nital Ella Lesor Tashmisho Amyuhad Lo, Afilu Talit ou Afilu Tarwad En Italim Ella Lesor Tashmishan Amyuhad Laem. Même un Talit, une cuillère. Ouais, tu peux déplacer que pour sa propre
utilité, ça veut dire ce à quoi il est destiné. Donc la médoura, tu ne peux pas la déplacer comme telle, étant donné que c'est un cliché marteau, les isour. Pourquoi tu vas la déplacer? Ça ne s'appelle pas les sonat Tashmisho. D'accord, selon Haché, c'est comme ça qu'il faut expliquer. Voilà pourquoi c'est interdit. Donc ça, on a déjà vu en haut, dans Dafour Fargim, à la Moutrichane, en haut de la page. Point. Donc on a fini ce morceau de Gemara. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Ah, ouais. Allez, nouvelle Mishnah. Kol HaKelim. Kol HaKelim. Tout ustensile, on peut déplacer les soleils que chez l'eau, les soleils. Pour un besoin et sans besoin. On va expliquer ça dans la Gemara. Rabbi Nehemia Omer, et Nitalim, il a le soleil. Rabbi Nehemia dit non, non, on n'autorise de le déplacer que les soleils pour un besoin. Là, Rabbi Nehemia, il est Mahmir. Oui. D'habitude, il est un peu Mahmir. Non, non, là, il est Mahmir, même avant. Alegmara, comment l'agmara maille les soleils ou maille chez l'eau les soleils? Maraba, alors deux explications. Première, celle de Rabba, les soleils. Davar chez Mnartolé, ter les soleils gouffo. Chez l'eau les soleils. Davar chez Mnartolé, ter les soleils. Mais comment? Ça veut dire que selon lui, quand on a dit les soleils, mais chez l'eau les soleils, on parle de Davar chez Mnartolé, ter. Un ustensile que son utilisation est autorisée. Et c'est quoi les soleils vechelo les soleils? C'est les soleils gouffo, les soleils gouffo, vechelo les soleils gouffo. C'est quoi les soleils gouffo? Soleils mekomo. Pour l'utilisation de lui-même ou pour la place de là où il est déposé. Sur ça, c'est autorisé. D'accord? Ça, je t'autorise. Et pas quoi? Par contre, davar shemlarto leisur. Comme on a vu en haut, ce qu'il pense là-bas sur ça. Là-bas, j'ai marqué les sols, les sols gouffons et les sols mekomolo. Lui, ce n'est pas les sols gouffons et les sols. C'est que les sols qui sont autorisés. Les sols gouffons sont autorisés, les sols mekomolo. Là-bas, j'ai marqué les sols, qui j'ai marqué les sols, ce n'est pas autorisé. Peut-être. Mais attends, Rabbi Nehemia, le même. Non, Rabbi Nehemia, il est venu, je crois. Non, 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 non. Même les sols, à fil ou d'avant, j'ai marqué les terres. Que les soleils sont autorisés, c'est-à-dire les soleils gouffo uniquement c'est autorisé. Les soleils mekomol, là. Voilà l'explication de là-bas, comment elle explique la Mishnah. Je reprends ou bien c'est bon? Oui, mais on comprend, on reprend. On reprend encore une fois. Simple. Selon lui, le mot les soleils veut dire soleils gouffo. Chez l'eau, les soleils veut dire. Les soleils mekomol. Non, c'est le soleil gouffo, mais c'est le soleil mekomol. Voilà. Les soleils mekomol. Ce que le Tanakama a autorisé les soleils pour le soleil. Même qu'il soit les soleils gouffo, les soleils, mais comment il peut? Voilà. Cliché Mertoléter. Par contre, cliché Mertoléter, il n'y a pas cette autorisation, les soleils pour le soleil. Il n'y a que l'autorisation de les soleils gouffo. C'est tout. Voilà. D'accord. D'où il nous sort ça, lui? C'est parce que c'est les chitatos. C'est ce qu'il a l'air de dire à Rachid. C'est juste ce que tu dis. D'accord. Mais là-bas, regarde Rachid, d'avoir chez Mertoléter, les soleils gouffo. Ou des terres, regarde ce rachis, il me salit le mlech et éter, avant chez le sol gouffo, va faire gaffe de salir le mkomo, là. Mais là-bas, les termes, d'amal, la il gabé, qu'on a jamais, moutal, le sol gouffo. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, tu aurais pu dire ce que tu veux dans les solaires, cliché marteau, les sourds. Mais Rabba, il a expliqué selon sa chita à lui. Ok. Non, Rava, amal et Rava, les solaires, mkomo, les soleils mekomo, c'est le soleil carré. D'accord. Quand toi, tu as dit les soleils mekomo, tu as appelé ça chez l'eau les soleils. C'est ça la cavada du talent qui a dit chez l'eau. Voilà, c'est ça. Le soleil gouffo, mais c'est-à-dire que c'est le soleil mekomo. Il dit ça s'appelle chez l'eau les soleils. Voilà. Oui. Alors, je change. Je ne suis pas d'accord avec toi. Et là, Marava, les soleils, c'est quoi les soleils? Moi, je suis d'accord. D'abord, chez Mertou, les héter. Les soleils gouffo ou le soleil mekomo, ça s'appelle les soleils. Mais chez l'eau, les soleils, c'est ni gouffon ni mekomo, mais c'est mehama les sels. Ah. Et du soleil à l'ombre, pour ne pas que l'objet s'abîme. Mehama les sels, c'est pas. Belle les soleils gouffon, belle les soleils mekomo, chez l'eau, les soleils, a fait le mehama les sels. Quoi? Oui?
Non, mais Hamalessé, c'est pas sur le gofo, c'est en fin de Non, compte. sur l'air gouffant, que je vais utiliser l'objet lui-même. Ah oui, c'est-à-dire que je vais Je... l'utiliser Voilà. lui-même, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Là, C'est je pas dépense pas pour le moi, pour bénéficier. l'objet. Voilà, Voilà. c'est pas. Oui, D'accord. Mais c'est d'abord, j'aime l'artole et par contre, ça. félicitations. D'abord, j'aime l'artole et ce n'est pas autorisé les soeurs, monsieur le soeur. Il n'y a que les soeurs qui sont autorisées, c'est-à-dire soeurs T'as gouffons ou soeurs entendu que gouffons. Rebemeyer est hospitalisé? Pourquoi? Oh, il a été hospitalisé aujourd'hui. Pourquoi? Je sais pas. Il était ramené en ambulance, une salle arbitre. Bon, je sais pas où ils Et on ont est dit. obligé une fois chez les mains pour le meilleur Rebemeyer bar. Nissim Barhamsana. Bar Khamshana, le bête mazou. Amen. Mais d'abord, j'aime leur tour les sourds. Le sol est gouffre, le sol est mekomorin, mais Hamal est celle-là. Mais attends, Voilà. Rabbi Nehemia, le mimar, et Rabbi Nehemia est venu nous dire, même d'abord, j'aime leur tour les héter. Le sol est gouffre, le sol est mekomorin, mais Hamal est celle-là. Que le sol est Voilà. gouffre, le sol est mekomorin, c'est autorisé, mais pas mais Hamal est celle. Point. Maintenant, il y a un rachis qu'on va faire ensemble. Regardez le rachis, Amalé là-bas, et là, vous voyez le rachis un peu long là. Regardez là-ci. Où là-bas, des moqués à l'ébat de Rabbi Nehemia de le sol gouffre, le sol est mekomo moutar. C'est quoi le mot sol gouffre? Rabbi Nehemia, qu'est-ce qu'il nous a dit, lui? Rabbi Nehemia, il a dit. Raq Oui, mais les sorg. lui, on sait qu'il autorise d'avoir, et là, les sorech, tachmichon, Elle... yochadlo. Alors, on doit Ah, expliquer le mot de avant, oui, sol avant. gouffre. C'est Oui. quoi la cavale de sol gouffre? C'est pas que je vais faire un ustensile. Une utilisation quelconque sur le gouffre. Tu vas faire l'utilisation qu'il a Sans tachemiche lui-même. comme ta chemise ouais, qui lui est Habituel. réservée. Très bien. On a là-bas des moqués à l'ibad de la bin Ahmed de sur le gouffre ou sur le mokomo moutard. Le colère est sur le gouffre qui consiste à ta chemise miouhad l'eau, dit Rachid. Et Tanya, il a quand même perdu vite. La bin Ahmed Omer, la filo m'tarwa, la filo talit, et Nitalim, et là, le sur le talmishan. Le sur le mokomo, mon ami, ah, sur le mokomo de colère, je déplace. Rachid dit, le soleil met comme mon ami les ravas, parce que ça c'est que pour Rava, pas pour Rabba. Les ravas qui sont le gouffre, tâche michaud d'ami. Ça aussi, ça s'appelle que sont le gouffre, tâche michaud. Alors, si ça, ça demande des sbères, ça. Pourquoi sur le gouffre s'appelle soleil, ça s'appelle tâche michaud? Pourquoi, pardon, pourquoi soleil met comme, ouais, ça s'appelle que sont le gouffre, tâche michaud? Alors, oh, Ah il y a tout oui. saute, ouais, il y a tout saute qui dit que, par exemple, il dit de quel droit je peux déplacer les assiettes. Et il dit dans Def Lamedba, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a vu tout saute là, bah, à la fin d'un mot du père et père Chini. Def Lamedba, au mot des chants, tout saute, on dit. Attendez, je retrouve. Vedohek rabenoutam l'omal et pirouche à contraste, des carottes à harche à cloubaem, des derech la siran kolcha. דרך להסירה גדולתה בכל שעה, חשיב סורך מקומו, תשמיש המיוחד לו. אתה יודע, לסורך מקומו, ספל תשמיש המיוחד לו, כי זה כמובן, כופה, וכן כופה וכנסת, פקטה מונג'ה, תפילה דה פלס, לא ספל סור תשמיש, כמו שיהיה דה פלס, הייתה בזמן דם רוח. לא ספל תשמיש המיוחד לו. זה ביה... דוחק דוחק דוחק, נו? On a là-bas, c'est-à-dire qu'on a là-bas, sur le gouffre ou de Chalib et Hamia, ou d'après le chemin chez Mokado, ou ben là-bas, ou ben là-bas, d'après le chemin chez Mokado, il ne peut pas autoriser Rabbi Nehemia d'avoir chez Mokado, parce que sa destination, c'est d'avoir un sourd. Donc, je ne pourrai jamais l'utiliser. D'accord? Là, Chalib, Rabbi Nehemia, d'ailleurs, sur le gouffre ou le chemin chez Mokado, d'un Mokado, il est sourd. D'accord? Très bien. Yachiv Rav Safra. Ces trois chachamim étaient assis. Les rabbins, selon la chita de rabbin, à l'ibad de Rabbi Nehemia, ané ke'arot, ces assiettes-là, après avoir mangé, ouais, comment on peut les déplacer, selon Rabbi Nehemia? Parce que Soleil Mekomo, il n'autorise pas Rabat. Rabat, Soleil Mekomo, il n'autorise pas. Alors, comment on peut les déplacer?
C'est-à-dire, il part de l'hypothèse qu'on peut les déplacer déjà. On peut les amener sur la goufa, Rabbi les Habib disent nous les terres, et ça, le tashmish d'une assiette, c'est de l'amener devant nous à table. Je peux, d'accord. Bon, mais une fois que tu as fini, tu as envie de déplacer, tu pourras avoir la table vide. Ouais. Donc, ça s'appelle Solech Mekomo. Mais lui, là-bas, il n'autorise pas Solech Mekomo. Ouais. Bishlama Rava, oui. Donc, on n'a pas la question sur lui. Mais sur le Rava, non. Alors, comment on peut enlever une assiette de la table? On sait comment on enlève l'assiette de la table, n'est-ce pas? Comment ça marche? Amaléo, Rav Safra a répondu, midi d'avoir grave chez le Réaï. Le même titre qu'on peut enlever grave chez le Réaï. De là, on voit Moutard. qu'une fois que tu as fini l'assiette, les déchets qu'il y a, ça nous dégoûte un petit peu. Et ça s'appelle grave chez le Réaï. Et Hakamim, et donc même Rabbi Nehemia, ici en l'occurrence, on apprend, Il est il permis. autorise grave chez le Réaï, un pot de chambre avec des saletés. D'accord, des déchets, des excréments, des rues. Ça fait grave chez lui, tu as le droit de le déplacer. Hachamim ont autorisé Mishum Kvod HaBriyot. Là aussi, c'est le même été. Abaye le Rabba. Maintenant, deuxième histoire. Abaye l'a demandé à Rabba lui-même. Les morts, selon toi, Alibad Alamine Hamia, Ané Karot, Echim et Altelin Aléou. Amalé, il a répondu Rabba, Rav Safra Havrin, Rav Safra, mon ami, notre ami. Tirgema, il a expliqué, il m'a défendu. Comment? Midi d'avoir grave chez le au même titre qu'on a le droit de déplacer grave chez le. Très bien. Et tu Je n'ai viens pas après. compris, Ah. Marley Abbaye, qu'est-ce qu'il nous ajoute là, Rien, rien, il n'y Marley a rien de mehoudash. Seulement, Abbaye? c'est une deuxième histoire. C'est Abaye qui a posé la question à Rabba. Et Rabba lui a dit, tu sais, Rav Safra, il a déjà posé la question de l'Eshitati, il m'a répondu. Voilà, ok. Et j'y vais à Bayer Rava. Medoucha. Imieshbashum metaltelinota. Vimlaou el metaltelinota. Comment tu expliques? Pishlama. Donc à Bayer. Vas-y, Rachi. Bayer Rachi. Vimlaou el metaltelinota. Pishlama le Rava qui gondène serich le goufa. D'accord? Pourquoi? El alimkoma. Jean, tu as envie de déplacer la Medoucha, les soleils mekoma. Tu n'as pas le droit. OK. Et toi que tu autorises Soler Boufo ou Mekomo, Mohamed ouais, sauf Mehamal et Sel, non, mais Soler Boufo ou Mekomo, tu autorises. Alors pourquoi cette Medoucha-là, s'il n'y a pas de choum, tu interdis de la déplacer? Réponse, Mehamal et Sel. Quand on t'a interdit de la déplacer, Mehamal et Sel. Ah. Puis chez Bertol et Sourd, moi aussi, j'interdis Mehamal et Sel. Et tu veux, il y avait d'autres réponses, hein, mais il a répondu comme ça. Et tu veux, autre objection, on a déjà vu ce genre de charlatan bataille en haut. Et tu veux, le Eli, si maintenant il a coupé la viande, une fois qu'il a fini de couper la viande pour Yom Tov dessus, tu n'as plus le droit de le déplacer. Biche, la maladie du content de le déplacer, c'est le soleil, mais comment? Comme c'est écrit chez Martolé, je ne t'autorise pas le soleil, mais comment? Mais selon toi, que tu autorises les mais Mais comment? Pourquoi pourquoi tu ici c'est l'interdis? interdit? Hanami, Mehama, même réponse, même là on parle, Mehama, laissez. Bah, Très si bien. c'est Mohamed, c'est bizarre hein, qu'il y Vas-y, si répond. c'est Mehama, laissez quoi? Alors pourquoi le Assure Mehama est autorisé? les taltelons Ouais. à cause de Mohamed et Sel. Alors, si tous les sourds c'est Mohamed et Sel, pourquoi tu me parles de ces cas-là? Tous ces cas-là, c'est Mohamed et Sel, c'est-à-dire Ishlo, Shom, Idmo, Shom, Je ne sais pas c'est à quoi si tu es mitkaven à la question que soit tu as déjà posé le daf d'avant. Regarde tout soit là-bas. Regarde la même daf d'avant. Peut-être c'est à ça que tu es mitkaven. On l'a déjà fait. Regarde tout soit. Mohamed et Sel, oui. Lis-le. بهذه النقاط آه وي بهذه النقاط على فسر فعل بيد الصرخ وتم أقوم لمشاري ليش ما نادى فيلو بيا بليجي بتشمع أوكي أوكي Très bien.
Vead etnan. Agma continue. Vead etnan. Voilà, ça va être une sugya là. Vead etnan en somkhin et abdera bibakad vechen baddelet. C'est un yin à hirsa. Ouais, mais c'est l'IA qu'on vient de dire. En somkhin et abdera bibakad. Tu as une marmite. Elle est un peu branlante. Tu invites à mettre un morceau de bois comme ça pour la caler comme il se doit. Alors, on te dit, tu n'as pas le droit d'utiliser ce bois-là pour caler ta marmite. De même, Vechen Baddelet, ça veut dire la même chose, tu n'as pas le droit de bloquer, soutenir une porte. Il faut dire Vechen Haddelet, en fait. Comme ça, Gmaral de Maseret Bessa, comme ça, Rachid rapporte ici. Quoi? C'est quoi le problème? C'est quoi la chaîne? Tu n'as pas le droit de... avec ça. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'utiliser ce petit bâtard de pour bois, coller. Voilà, pour, ou bien pour faire tenir la correctement la marmite, voilà. Mais est-ce que c'est les sourds Alors, de les regarde. ou de mettre ou de prendre ce petit bâtard? Alors, on va voir tout de suite. Demande la Gemara, où est la bakat de Biyom Tov Dava, Shem Lachto, l'Eteru. La bakat, oui, pendant Yom Tov, c'est quoi? C'est Dava, Shem Lachto, l'Eteru. L'Eteru, oui. Oui. Et pourtant, on ne m'autorise pas d'utiliser pour bloquer, ouais, la marmite. La gzera, la marmite. Alma, Dava, Shem Lachto, l'Eteru. Ben, le sol est gouffo. Ben, là, c'est sol est gouffo, là, ouais. On l'utilise. Ouais. Ben, le sol est mechomo. Assur. Mechomo, le miagab, ouais. Ben, le sol est gouffo. Donc, on voit a priori que klishem lachto le heter. D'accord? Pourquoi ça s'appelle klishem lachto le heter? Explique Rashi. Parce que c'est la saka. C'est la saka hazi yom tov. Ouais. Le sol est gouffo, le mlacha haret. Et à plus forte raison, le sol est mechomo. Comment tu expliques ça? Répond la Gemara. Atam, maïtama, kivan de Bishabat, davar shem lachto le isuru, gzera yom tov atu shabbat. Toi, tu sais pourquoi j'ai interdit là-bas? Parce que la bakat, shabbat, s'appelle lachto le isuru. Voilà. Et donc, j'étais interdit yom tov à cause de shabbat. Ça ne veut pas. Si c'est comme ça, alors tu n'as pas le droit de prendre un bois non plus pour brûler. Non, non. On sait que Yom Tov, tu as le droit de faire Asaka. Donc, si pour l'utilisation de Asaka, ça c'est autorisé. Mais si tu vas utiliser pour autre utilisation que Asaka, là, je vais doser Yom Tov à cause de Shabbat. D'accord? Vous comprenez ce que je viens de dire? Parce que ouais. si tu dis je suis doser Yom Tov à cause de Shabbat, alors tu n'as même pas le droit de prendre un morceau de bois pour le mettre dans la cheminée ou sous ta marmite pour que ça brûle, parce que Shabbat, tu n'as pas le droit de faire ça. Dis pas ça. Ça. Je sais que c'est autorisé. Mais si tu vas faire une autre utilisation qu'à Asaka, je ne vais pas t'autoriser à cause de Shabbat. Manu, c'est quoi Asaka? Brûler. Il est assez. Tahmi bil farn, tahmi bil farn, andek el farn. Tu sais c'est quoi le farn, hein? Tahmi bil. Tu mets du bois pour brûler, pour chauffer le four, le tanour. Merci, monsieur Amos, pour la précision. Avec plaisir, non, parce que je sais que tu aimes beaucoup le khamstalfon, c'est pour ça. Il ne connaît pas, Amos, il ne connaît pas. Bien sûr, Amos. Je ne connais que ça, moi. Le khitema, Shabbat, Goufet, Ishtari. Et si tu vas me dire, mais Shabbat, pourquoi ça serait interdit, Bichla? Même Shabbat, ça, tu dois l'autoriser. Pourquoi? Allez. Mais comment le soleil gouffo? C'est autorisé. D'accord? Soleil mekomo, selon Rava. Selon Rava, soleil gouffo, c'est autorisé. Oui? Alors pourquoi tu as interdit Shabbat? Tu me dis, je suis interdit, je me dois contre Shabbat. Mais Shabbat, pourquoi tu as interdit? C'est notre famille aussi. Mais pour la Gemara, Némile, Echa, Deka, Torez, Kili, Alav. Les 14 qu'il y a là, la point, on a fini. Alors, Mali, quand est-ce que je t'autorise? Quand c'est Kli, Shem Lachto, quand c'est un Kli, Shem Lachto, les Isour, alors,
soit le gouffre. Sur le gouffre moutarde. Mais ça ne s'appelle pas clé. Voilà. Abakat, ce n'est pas clé. C'est comme un even, comme un even. Voilà. C'est pourquoi je ne t'autorise pas. Très bien. Donc là, si on résume, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que, Bémet, pourquoi Yom Tov, je t'ai interdit l'abakat pour bloquer la marmite, d'accord, ou la porte? Eh bien, parce que c'est à cause de Shabbat que j'ai interdit. Et Shabbat, mm-hmm. c'est pas un keli, voilà pourquoi c'est interdit. Très bien. Maintenant, la Gemara remet en question ça. Elle dit, ça veut dire quoi? Là, juste une petite question. Vas-y. Non, non, une petite question simplement. Le fait que cette bakat-là, pour Shabbat, c'est qu'on appelle Melartoulé Sour. Pour Yom Tov, c'est Melartoulé Ter. Est-ce qu'on va dire c'est ça, Melartoulé Ça, on peut le dire, cela, c'est Melartoulé Sour ou les Ter? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce qu'on peut dire c'est ça, le... non, c'est pas ça. D'abord, c'est Melartoulé Sour ou les Ter? C'est pas ça. Non. C'est pas ça. Ok. Ouais, daf. Je suis en train de faire le daf. Alors, Omigazrina, Marmara, est-ce qu'on est gozé? Yom Tov Atou Shabbat. Ratnan, Michelin, Perot, Derek Aruba, Yom Tov, il y a des fruits que tu as laissés sécher en haut du toit. Et tu vois que tu sens que la pluie, elle arrive. La pluie arrive. Alors, on t'autorise de les faire tomber du toit vers le sol intérieur de la maison. Oui. Pour qu'ils ne s'abîment pas. Voilà. Alors, on t'autorise. Yom Tov, avalom et Shabbat. La Mishnah dit, mais pas Shabbat. D'accord? Je n'autorise pas Shabbat. Donc, on voit bien qu'on ne dit pas je t'interdis Yom Tov parce que Shabbat c'est interdit. Le mot Lagmara, donc ça c'est question. Le mot Lagmara au milo gazrinan, quoi on ne dit pas Yom Tov à cause de Shabbat? Adnan, pourtant on a enseigné une Mishnah. En ben Yom Tov le Shabbat, c'est la rechene fesh bilvad? Oui? Non, elle a dit. Yom Tov le Shabbat et la rechene fesh bilvad. Il n'y a rien de différent entre Yom Tov et Shabbat, tout met à égalité. Ouais, il n'y a que Rechenefesh, Yom Tov c'est autorisé, et Shabbat c'est interdit, c'est tout. Donc tu vois bien que sinon, à part Rechenefesh, ici même ça doit être autorisé Yom Tov, puisque Shabbat est interdit, on interdit Yom Tov à cause de Shabbat. Donc bien maintenant, on a des styrotes entre les Mishnayot, parfois on voit qu'on a interdit Yom Tov à cause de Shabbat, et parfois on voit que non. Question. Alors on y va. Amar Rav Yosef, la Kashia. Arabi Eliezer, Arabi Yoshua. Une Mishnah, c'est Arabi Eliezer, et une Mishnah, c'est Arabi Yoshua. Alors, pour qu'on soit clair, on a une Mishnah qui nous dit on fait une différence entre Yom Tov et Shabbat, la Mishnah de Michili. Et une Mishnah qui dit qu'on ne fait pas une différence entre Yom Tov et Shabbat. C'est quoi? C'est en ben Yom Tov et Shabbat, et là, aucun nefesh bilvad. Mais on a aussi notre Mishnah de En Somchin et Tardera, on a dit qu'on fait à cause de Shabbat, on a interdit à cause de Shabbat, Yom Tov à cause de Shabbat. Donc ça aussi, c'est, on a égalisé Yom Tov à Shabbat. Alors répond Rav Yosef, la Kashia, Arabi Eliezer, Arabi Yoshua. Qu'est-ce qu'ils ont dit les deux? Netanya, Oto et Beno, Shinaflu Lebo. On a déjà vu ce cas-là. Il y a deux animaux, ouais, Oto et Beno. L'animal ainsi que son fils, qu'on ne peut pas faire la shrita les deux les mêmes jours. L'autre shrita yom echad. Maintenant, les deux sont tombés dans le puits. Qu'est-ce que je fais? Yom Tov. Rabbi Eliezer Omer Ma'alet Elishan Amenet Shorto et Shorto. Rabbi Eliezer dit tu montes le premier, celui que tu veux, quoi. Tu le montes en pensant lui faire la shrita. Et bien, tu lui fais la shrita. Celui qui est resté dans le puits, le Hachini, on s'est l'eau par le sabim chromo. Mais je vais le chelemot pour qu'il ne meure pas. Tu lui envoies de la nourriture là où il est. C'est pas la peine de le faire monter. Exact. Rabbi Yoshua Omer, Ma'ale et Alishon, Amenat le Shorto. Rabbi Yoshua dit non. Tu prends le premier. Tu dis, ah là là, toi, je tire la Shrita. Et après, tu es Ma'arim, tu ruses. Ven au Shorto, tu ne fais pas la Shrita. Au Ma'arim ou Ma'ale et Alishon, le deuxième, je crois qu'il est meilleur. Tu fais monter le deuxième. Et après,
Donc, il a réussi à sauver les deux. Rasa ze shohet, rasa ze shohet. S'il veut, il fait la shita de celui-là. Ou bien, il fait la shita de celui-là. Alors, qui est l'auteur de la Mishnah de Machilin et qui est l'auteur de la Mishnah de Enbel? Alors, regardez la chie de ligne avant la fin dans la chie. L'okashia a détan meshilim de shari tiracha beyom tov mishum ibud mamot. Celui qui a autorisé tiracha yom tov, que tu vas subir une perte d'argent, mais pas Shabbat. Hein. La Mishnah Baal a dit, je t'autorise, la Mishnah de Meshilim, je t'autorise yom tov, mais ce n'est pas Shabbat. Ici, on voit que Rabbi Yoshua, il a autorisé la harama. Tirha, tu te fatigues pour sauver ton argent, pour sauver ta bête. Il a autorisé à le faire ça. Alors, la kasha de ta meshilin de shari tirha biyom tov mishum ibud mamon, la biyoshua ishiti la alot bema beharama minabo. De la même manière que la biyoshua était permissif au sujet de la bête, et tu vas faire une tirha, je t'autorise pour ne pas perdre d'argent. C'est aussi lui qui va autoriser la Mishnah de En Meshilim de jeter ses fruits, mais il va l'autoriser Tirha. Il va autoriser Tirha Mishum. Pour Rebour de Mamon. C'est pas Shabbat. Donc la Tirha, il l'autorise pour Mamon Yom Tov. Il l'autorise à Tirha là. C'est lui que j'ai vu l'autoriser. Comme ça, j'ai vu dans avec les Otoved Beno. C'est aussi lui qui va autoriser dans En Meshilim. Et, mais pas Shabbat. Mais pas Shabbat. Donc ça va être lui l'auteur. Par contre, la Mishnah qui a dit En ben Yom Tov, le Shabbat alors Nefesh Bilvad, ça va être Rabbi Elazar. Il n'a pas autorisé Tirha Mishum Mefsed Mamon, j'en ai rien à faire. Donc moi je ne fais pas de différence. Donc Mimela, moi je ne fais pas de différence. Et donc c'est moi la Mishnah qui dit Yom Tov et Shabbat, je leur donne les mêmes dinim. Mara a dit non, qui t'a dit, mais bye, qui t'a dit? Dis Mahat Kanokama Rabbi Lezer Atam. Pourquoi Rabbi Lezer là-bas, il t'a pas autorisé de te fatiguer? Parce que tu peux nourrir la bête là où elle est. Mais Avalaka de la Chalefanasa, comme par exemple dans le cas des fruits qui sont sur le toit et la pluie elle arrive, c'est soit tu vas subir la fête, peut-être qu'il va t'autoriser. Oui, Avalaka de la Chalefanasa. Allah. Un ami, ou bien je peux te dire, Rabbi Yoshua, pourquoi il t'a autorisé avec Otoved Beno? Parce que je peux ruser, je peux dire, ah non, celui-là, le deuxième, il est meilleur. D'accord? Mais lorsque je ne peux pas utiliser une ruse comme l'histoire des fruits qui se trouvent sur le toit, d'accord? De quel droit tu vas jeter tous les fruits? Donc, il n'y a pas d'arama sur ça, tu ne veux pas ruser. Là, je peux te dire qu'il ne va pas autoriser. Donc, ce n'est pas sûr que c'est lui la Mishnah de El Meshilin. Oui, de Meshilin, pardon. Donc, la Gemara n'accepte pas la réponse de Rav Yosef. Et la Gemara, seulement répond à Rav Papa, la Peshia, Abet Shamay, Abet Ilel. Alors, répétons, on a une Mishnah qui dit. Il y a une différence entre Yom Tov et Shabbat. D'accord? Meshilin perot derech aruba Yom Tov velo be Shabbat. Voilà. Et le Mishnah qui dit Yom Tov et Shabbat, la même chose. El Yom Tov et Shabbat est là, Ochel Nefesh Bilvad. Et comme cette Mishnah-là, c'est la Mishnah de El Samchin et Tagdera Bebakat, selon la réponse qu'on a donnée, qu'on a été gozer Yom Tov à cause de Shabbat. Alors maintenant, qui est l'auteur de la Mishnah de. En ben Yom Tov, le Shabbat alors qu'on est Shabbat, qu'on égalise Yom Tov à Shabbat. Réponse: Bet Shamay. Et Meshilin, c'est qui l'auteur de Meshilin? C'est Bet Hillel. Bon, qu'est-ce qu'ils ont dit, Bet Shamay et Bet Hillel? On y va. Detnan. Bet Shamay Omrim. En. Et à Katan, ou et à Lula, et c'est pour toi, le chute à la bim. On n'a pas le droit de faire sortir un Katan. Yom Tov, hein? Bien qu'on a le droit de porter, tu as le droit de porter le soir au René, nourriture.
je ne t'autorise pas à porter un enfant, un loulav, Sefer Torah, le Shout Arabim, Yom Tov. D'accord? Ou Bet Hillel, Matiri. Alors que Bet Hillel, eux, autorisent. Alors que tu as le shit, le spot. On autorise grâce à Amitor. D'accord? Je dis qu'il y a dans la série de Bessa, dans la chute bête là-bas. Est-ce que c'est un filo chez le soleil klal, comme ça pense le chi, ou bien soleil ksat, comme ça pense le chi? Bon, comment on a répondu à notre question? Rashi, regardez le chi, el mosim, osa, chez le soleil, de l'eau, il s'agit de katela biom tof tfem be shabbat. Il n'y a pas, je ne t'autorise pas, osa, yom tov, plus que shabbat. Hein? Il n'y a que au renefesh, c'est tout. Il n'y a que au renefesh. Donc, c'est lui l'auteur de la Mishnah, c'est Beit Shammai, qui te dit que ce n'est pas au réglé, c'est interdit. Yom Tov comme Shabbat. D'accord? Par contre, la Mishnah de Machilin, que je suis permissif plus Yom Tov que Shabbat, c'est Beit Hillel. Eux, effectivement, ils autorisent la Osa de Tchinok et de Lulav et de Sefer Torah. Ils voient bien que Shabbat est interdit. Yom Tov, on va l'autoriser. On est plus permissif Yom Tov que Shabbat, donc c'est l'auteur de la Mishnah de Mechilin. Très bien. Mechilin, très bien. Emol demande la Gemara, mais encore. Emol, Shmadle, Léo le Bet Shammai Osa, Tintou Mishamate. Ce que tu as vu que Bet Shammai, on dit que Yom Tov, je t'interdis la Osa'a autant que Shabbat. Osa, quelque chose qui a soumis la Torah, Osa'a. Mais Tiltoul, Machiline, ça c'est Tiltoul. Peut-être qu'ils vont t'autoriser. D'accord? Mishamatéou, répond la Gemara. Tiltoul gouffé. Là, Mishou Mosaï. Tiltoul, c'est plus amour que ça, ou le contraire? C'est moi, Tiltoul, c'est un déplacement. Osa, c'est une sortie vraiment. Dans la Osa, il y a le Tiltoul. Oui. Donc, répond la Gemara. À tout le tiltoul, la soie de Chosaïm, tout là où ça, tu passes par un tiltoul, comme il dit Rashi, regardez Rashi. Tiltoul, la soie de Chosaïm, bitmia, il car, imezalzal te be tiltoul, mezalzal te be osa. Je ne peux pas t'autoriser le tiltoul, donc si je t'interdis, si je t'autorise le tiltoul, tu vas venir apporter en moi, Bet Shammai, je t'interdis de porter Yom Tov comme Shabbat, donc je vais t'interdire aussi. Tiltoul, Yom Tov, autant que Shabbat. Donc, même Meshilin, je ne vais pas t'autoriser. Ça veut dire que de cette Sougia-là, comme dans une Maos, comme c'est le Shabbat d'Aflamed Zayn, je crois, là-bas, la Gemara, la même phrase que celle-là, on voit que le problème de Tiltoul, le problème de Tiltoul, c'est Kachoul au problème de Osa. C'est-à-dire le Mouksé en général. Moursé, tout ce qui ressemble à ça, ont interdit. Le problème de l'interdit, pourquoi quand même ils ont décrété, c'est pour ne éviter à venir à Osa, à faire Osa. Comme la Gemara dit ici, tout le problème du tout, c'est à cause de la Osa. D'accord? Maintenant, Agave, d'ailleurs, le Rambam, je ne sais pas si vous savez, il dit que les sourds de Moursé, il donne, je ne me rappelle plus, il donne trois raisons en tout cas, je ne me rappelle plus des raisons qu'il donne. Pourquoi Hakami nous interdit différents mourcés? Rava, il dit, mais voilà, Dagmara, quelles trois raisons? Dagmara dit cette raison-là, que le problème de Tiltoul, c'est à cause de ça. D'accord? Donc, les Mfashim sont marchés sur le Rambam. Comment le Rambam t'invente des raisons qui ne sont pas écrites dans le chasse, alors que la raison du chasse, c'est celle que nous, on a sous les yeux. Le problème du sourd de Tiltoul, c'est à cause de ça. Enfin, Mfashim répond, ils disent que le Rambam pense. Parce que la Gemara est en train de dire ici, ouais, c'est selon Bet Shammai. Arrête, tu vois bien que selon Bet Hillel, c'est quand même, hein, il y a des issur mourcé pendant Yom Tov. Pourtant, la Osa elle-même, elle est autorisée, mukhrar, de dire qu'il y a eu d'autres raisons pourquoi mourcé c'est interdit. D'accord? Et c'est pourquoi le Rambam était obligé de rapporter d'autres svarot pour exprimer pourquoi Hakamim ont interdit mourcé. Ouais, je ferme la parenthèse. On continue. Non, on ne continue pas. On ne continue pas. On a un Tosfot à faire. Un Tosfot à Moudrichon. Tosfot, la Gemara, elle a dit Arabi Eliezer,
Et à Rabbi Yehoshua, je crois, c'est ça. Rabbi Eliezer, c'est lui l'auteur de la Mishnah. En ben yom tov le Shabbat, et là, Sorech Ochel Nefesh Bilvat. Tosfot. À Rabbi Eliezer, Aïd en ben, c'est ça. En ben yom tov le Shabbat, et là, Sorech Ochel Nefesh. Aval gav de perek tatama de Megillah, daikinan ala alenyan marchire Ochel Nefesh de Beze Shavin. וכאמר מג'יטין דלק רבי יהודה ורבי אליעזר סבירה לרבי יהודה ועדיף עמיד רבי יהודה קדמים בשתולים. זאת אומרת, נחושה שאתה מוכן בה. כמה עוד שפוג'ר כל המשנה דו אין בן זה רבי אליעזר, הרי לגמרא זה מסרת מגילה זין לבלג'י. עוד תותנה עד שאין בן יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד. פוג'ר כאוכל נפש זה אוטוריזה יום טוב סנסר די שבת. לגמרא למדייקת לבא. המכשיר אוכל נפש זה וזה שווין. או תיג'י דו מכשיר, לדו זה אגליטה, לדו זה אנטרג'י. המכשיר אוכל נפש, פא אוכל נפש, פרנום, ארונג'י הקוטו, ובוא קופה דגיון. זה המכשיר אוכל נפש, מפה דארונג'י לקוטו. שבת יום טוב זה אגליטה, סולו לתנא דו אין בן. אור, אלוק לגמרא דין, דונק סיפה רבי יהודה, פסקו רבי יהודה לוי יפה החילוק. מם, עוד חייב טוב, שבת מם הוא תיג'י דו מכשיר אוכל נפש. מכשיר אוכל נפש זה אותו יום טוב, ופה שבת. וזה דומון, מרבי אליעזר, אין לו כוח פלוס פרמיסיב כרבי יהודה. יהודה. לא, שכוחם פעם. צילה משנה ספר רבי יהודה. כל שקל כספה, רבי אליעזר. כמו מי שאומר אותו ג'קס רבי אליעזר? וואלה, פושה דו תוספות. לפון תוספות, נקל לממר, דיהו תנא סבר לה כבתי בחדה, לגזיר יום טוב ותו שבת, ou pas les galets et marchirin. Je peux te dire qu'en fait, c'est un Tana qui pense à moitié comme Rabbi Eliezer. Il pense comme Rabbi Eliezer au sujet que Yom Tov et Shabbat, ils ont les mêmes djinnim. Mais il n'est pas d'accord avec lui au sujet de marchirin. Il pense que marchirin, c'est interdit Yom Tov comme Shabbat. Mais il pense un petit peu comme Rabbi Eliezer, dans quoi? Que Yom Tov, Gazrin a tout Shabbat. Veod, deuxième réponse. Veod Yishlomar. De en ben de Pelepama de Mgila, Mairi Bemile de Oraita. Ve en ben de Acha, Aïnu de Dem Machilin, de Mairi Bemile de Shvut. Ve en Omenyan Echad, Teda. Alors avant de Teda, c'est quoi la réponse? Non, je suis en train de relire. Véod et Shlomar. Je vais reprendre la question de Tosfot. Ok. Et toi, c'est quoi la réponse? Deuxième réponse. La question de Tosfot, c'est comment tu oses dire que la Mishnah de Enben, c'est Rabbi Eliezer. Alors que Rabbi Eliezer, lui, alors, avant de dire alors que. La Gemara, chez nous, on voit que Enben, c'est Rabbi Eliezer. Voilà. La Mishnah de Bessa d'Avzaïn, qui parle de Enben, oui, la Gemara, les médaillettes, est là-bas, à l'Anian, marchiré au Chenef, je sais, vous êtes Shavim. C'est-à-dire, Yom Tov et Shabbat, c'est interdit. Et la Gemara dit, la Mishnah, c'est donc pas Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda, il autorise marchirin Yom Tov. Mais Rabbi Eliezer, il est encore plus permissif. Il permet lui aussi marchirin Yom Tov. Et plus que Rabbi Yehuda, il permet. D'accord. Donc, et donc, la Mishnah, elle n'est pas Rabbi Eliezer. Comment c'est que la Gemara nous a dit que la Mishnah c'est Rabbi Eliezer? Oshia. Ok. Donc, Tosfot a répondu oui, c'est un Tana qui pense en partie comme Rabbi Eliezer. Ok. Réponse numéro 1. Réponse numéro 2. Tosfot dit. Tu sais, il y a écrit deux fois dans la Mishnah Enben. Une fois dans Daf Zayin dans Bessa, et une fois dans Daf Lamedwaou, Mouchini, je crois, là-bas, à la fin d'une série de Isurim qui sont des Rabanan. Le Tana a fini par dire En ben yom tov le Shabbat. Alors, Tosfot nous dit sache que la Mishnah de Daf Zayin, elle parle de Mlachot de Oraita, En ben yom tov le Shabbat et la Ochel Nefesh Bilvad. On parle de Mlachot de Oraita. Ça, c'est par rapport à Mlachot de Oraita. Voilà, ça, effectivement, c'est pas Rabbi Yehuda et c'est pas Rabbi Eliezer. Mais la Mishnah dans Daf Lamedwa Moucheni, d'accord, je crois que c'est Lamedwa Moucheni, là-bas, ouais, bah voilà, c'est marqué. Daf Lamed Vav Mouchini. Là-bas, cette Mishnah, ouais, elle parle de Isurim des Rabbanan. Et sur ça, la Mishnah là-bas, elle dit sur les Isurim des Rabbanan,
Un ben yom tov le Shabbat et l'autre nefesh bilvat. Et cela, c'est Rabbi Eliezer. Il n'y a pas le dirdouk à Marchirim. On ne parle pas de Melachot de Oraita, on parle de l'Issurim de la banane. Au sujet de l'Issurim de la banane, on les égalise. Voilà la réponse deuxième de Tosfot. Donc ça veut dire que, qu'est-ce qui s'est passé à la réponse? On ne parle pas de la Mishnah de Davzai, le Nben de Davzai, mais on parle de Nben de Davla Medar Mocheni. Ok. Veno Marian Echad. Teda. On n'a jamais une preuve. Teda. Que les deux Mishnayot, une elle parle d'Oraita, l'autre elle parle des Sulim de la Banane. D'Ari Parikhala Beperech Machilin, que des Parikhaka. Ça veut dire dans Machilin, on a vu qu'on a fait une différence entre Yom Tov et Shabbat. On a le droit d'enlever du toit les fruits quand il pleut. On a dit, mais pas Shabbat. Yom Tov, mais pas Shabbat. C'est d'Oraita. La Mishnah, elle était marchée, la Balagma, elle était marchée à partir de Enben Yom Tov, ouais, de En Machilin aussi. Ouais, on a dit que c'est égalité Yom Tov et Shabbat. Teda, de achi parir chala beperek machine qui de parir chacha bishmata, velo parir beperek amad emgila. Vea, et on n'objecte pas comme ça dans ma cercle Megila, au début, perek amad emgila. Mechila, une fois c'était Megila, une fois c'est Bessa. Je me suis trompé peut-être quand j'ai dit, bien, j'étais pas clair. J'ai dit Davzain, une fois quand j'ai dit Davzain, c'est Megila, et quand je dis la Medwa, c'est dans ma cercle de Bessa. Alors, Teda, je reprends. Teda, de Ari Parir Hala Beperek Machilin, que de Parir Hala Bishmata, velo Parir Beperek Tama de Megillah. Vea de Deir Kata Mahal Enyan Machilin Zebede Shavi, lo Deir Beperek Machilin. Et le dio qu'on a fait dans Megillah à l'Enyan Machilin Zebede Shavi, la Gemara est velo. Il n'a pas fait ce dio. Il n'a pas fait ce dio là. Dans Bessa, d'afflamé de Mocheni. Pourquoi? Parce qu'on parle de Sulim de la banane, là, mais on ne parle pas. Ah, c'est Bessa qu'on parle de la banane. Voilà, Bessa, la médoua, on parle de la banane. Et Megillah, de Megillah Zain, on parle on de Oraita. De Oraita. Très bien. Ok. On continue. Veaf, d'afkoufravdal et à Mocheni. Cinquième ligne. Veaf Rav Savar la Léa de Rava. Même Rav, il est d'accord. Non, Berk Megillah, on parle de la banane ou de Bessa? Berk Megillah, on parle de Raita. Exact. Alors pourquoi il dit, Teda, de Archiv Parich Alab, Berk Machini, qui Parich Archa, Archa Bishmata. Donc ici, là-bas, donc on parle de Bessa là. Il a posé la question comme ici Bishamata. Donc s'il a posé la question. De Bessa. Pas de Bessa, donc c'est d'Oraita. De Rabanan, Bessa c'est de Rabanan. Ah, et pour cette raison, la prochaine, on peut poser la question. Ce qu'il a dit, c'est là. Dans la Mishnah de Bessa, le Nben, elle est après une série d'Alachot qui sont de Rabanan. Ah. Ok. C'est pour ça que là-bas, on comprend que le Nben, c'est de la banane. Veaf Rav, ça va là, Léa, de Rava. De Amar Rav, ça fait quoi, Veaf? Même Rav, il pense comme Rava, que quoi? Que Klishim, l'Akol, les sourds, le Goufo, un Komo, c'est autorisé. D'accord? Tu as repris la Gemara, là? Tu as repris la Gemara. Il y a un Rayé qui pense que sourds, Klishim, l'Akol, les sourds, sourds, le Goufo, oui, mais sourds, mais comme non. Pas comme ça. Mar, shelo yiganev, zeo tiltul, shelo lesorech. Veasur. Mar, c'est quoi mar? C'est une pioche, ouais. Une pelle, une pioche. Alors, ça, si maintenant tu veux le déplacer pour ne pas qu'il soit volé, qu'on le vole. Donc, c'est pour le bien-être de l'objet lui-même, pas de toi du tout, ni de son endroit. Ouais. Ça s'appelle Tiltul Shelo Lesorech et c'est interdit. Tama Shelo Yiganev. Toute la raison pourquoi elle est interdite, c'est parce que Shelo Yiganev. C'est comme le Hamal Essel, ça. Ava Lesorech, Fol Sorech Mekomo, Mouta.
Mais c'est pour lui-même, bien, parce que j'ai besoin de l'endroit. Bien que c'est Krishna Martoli Sour. C'est autorisé comme Rava. Très bien. Dis la Gemara et ni. Alors là, je vais vous dire, là, je vais vous lire la Gemara, mais j'ai beaucoup de couchottes sur cette Gemara qu'on va faire. D'accord? Je vous les laisse, réfléchissez, vous allez chercher. Certainement nous aussi, Manu, hein, t'inquiète pas. Ah, on va voir, on va voir. Très étonnant. Arrêtez, très étonnant. On va voir. Eni, est-ce que c'est vrai ce qu'on est en train de dire? Que Rav, il autorise les soleils, mais comment? Martole Issou. Tu as Rav Kahana, Ikla Leberav. Un jour, Rav Kahana, il est venu chez Rav. Tu as Mar, et il a dit, Rav a dit, écoutez bien ce qu'il a dit. C'est très important, hein, c'est, on va être médaillé sur comment Rav s'est exprimé. Le Amar, Aïtoulé, Chouta, le Kahana, le Jivale. J'ai vu le cœur, si monsieur Ratfoko. Non. Aïtoulé, amenez-lui. Chouta, Mesouda, Rachidi. Un piège. Mesouda, un piège. Cliché Martolé, sur Bekitsu. Le Kahana, Akana, le Jivale. Pour qu'il s'assoie dessus. D'accord? L'étivale pour qu'il s'assoie dessus. Halagmara, les médaillés. Oh! Pourquoi la ville a dit, Rachiklik, pourquoi la ville a dit l'étivale? Ah! Là où les mémras des davas, chez Mlarto, les issous, les soleils gouffoïn, les soleils mekomola. Parce qu'elle a dit l'étivale. Ouais. Pour cette soirée, c'est le sort Goupo. Tu mets, voilà, pourquoi tu as mis en avant ces deux mots-là? C'est pour te dire, parce que c'est le sort Goupo que j'autorise. Ah, si tu as autorisé même Sorek Mekomo Krishna Martoli Sour, tu aurais dû dire amener juste à Kana. Ah, tu les jetes à les Kana, c'est tout. Maintenant que tu as dit l'été, voilà, ça veut dire Sorek Goupo, oui. Voilà. Mais Sorek Mekomo, non. C'est bon jusque-là, tout va bien. Very nice. Très bien. Mais Manu, comment il y aurait un Tsorer Mekomo là? Parce que là, il lui dit amenez-lui la chaise. Il est dans un endroit et on lui dit amenez-lui la chaise. Il n'y a pas Tsorer Mekomo. Mekomo, c'est non, quand non, t'as. Non, 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 non. Le jour de la Gemara, c'est pourquoi Rav a dit l'équivalent. D'accord. Il n'aurait pas dû. Si Behemet, il autorisait même Tsorer Mekomo, il aurait dû dire amenez-lui la Mesouda. C'est tout. Pourquoi? Ok, je sais que c'est Tsorer Goufo ici. Mais ici, c'est un cadeau sur le gouffon. Mais puisqu'il a rajouté l'itiv, allez. C'est qu'il est lui, il pense que. Ça que c'est autorisé sur le gouffon. Qui me conduit, j'ai besoin que c'est sur le siècle. Moi, j'ai besoin que c'est sur le siècle. Arrête de parler en yiddish, pas tout le monde comprend. Ok. Alors. Heureusement qu'il y a notre Yiddish, vraiment, hein, parce que heureusement qu'on a, nous avons, nous aussi, nous avons notre Yiddish, parce que souvent, quand je suis en Angleterre, tu trouves des gens qui parlent le Yiddish, pour que je ne comprenne rien du tout. Bon, allez. Ok. Arrête de te fâcher. Non, non, Rosh Hashanah, non. Surtout, les gens que je me fâchais, c'est virtuel, ça va. Ok. Ok. Alors, regarde, regardez comment la Gemara va repousser. C'est bon? Donc, a priori, Rav n'est pas d'accord avec Rava. Ah. Oh, non, 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 non. Là, de toute façon, si on dit ça, on a une tirade avec Rav lui-même. Hein. Là, Ari Amar, Léo. Regarde ce que la Gemara va dire. Oulu, Shuta, Nikme, Kahana. Quoi? Enlever le fauteuil, je ne sais pas quoi. La Mesouda, non, faut pas, c'est pas un fauteuil. D'accord. Mesouda, je me l'ai retourné sur, ok. Non, 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 la Mesouda, c'est un cliché de sur. Enlever pour que Kana puisse s'asseoir, on a besoin de la place. Ouah. Et donc, c'est un cas de soleil, mais comment, mémé? Donc, l'itivale, on peut expliquer maintenant le mot l'itivale, comment. L'étive à aller bimkoma. Ou à part que c'est d'achouk. On est en train de faire une correction. Ici, on est en train de faire une correction. Et là, lui, il a dit aïtoulé.
amenez-lui. Et maintenant, on est en train de dire quoi? Shkoulou mikame. Shkoulou mikame. Mais alors, si tu vas faire des corrections, je t'en prie, garde ce que tu as dit, enlève ton diur, c'est tout. Allez, on est en train de faire, on est en train de changer la phrase de Rav. On n'a pas que son livre, on est en train de changer la phrase. Parce qu'on ne savait pas pourquoi Rav, il a dit, rajouter le mot l'itivale. Vaut mieux dire que l'itivale, il les a dit comme ça. C'est Rav d'Afra. Plutôt que tu changes la phrase, c'est pas mieux ça. Voilà. C'est incroyable. Et en plus, Rav Kana, monsieur Rav Kana. Monsieur Kana, ou Kana, Rav Kana, il était assis, tu peux le. Non, il n'était pas assis. Il doit s'asseoir à l'endroit où il y a la Messouda. Alors, il dit, enlève là, qu'il s'assoit bien là-bas. Ah. Il a besoin de la place de la Messouda. Mais si on fait une correction, ce qui me dérange, si on fait une correction, il vaut mieux garder les paroles de Rav et dire que quand il a dit, il était mal, c'est la d'Afra. Bon. C'est vrai. Ça, ce n'est pas très clair pour moi. Deuxième réponse, dit la Gemara. Oui, bah, et ma, atam, mehama, lesel, hawa. Je te réponds autrement. En fait, là-bas, on parlait que la Messouda, oui, elle était dans le soleil. Elle allait s'abîmer. Si Rav, il a juste dit amener, alors, ça aussi, je vais avoir du mal à expliquer. Je veux faire Rashi, comme ça, à Gav Rashi, on va essayer. Ah oui, mais si il n'a pas l'été, va aller. Regardez, mais Rashi, Mehama, lesel, hawa, bemkom, ara, la. C'est un endroit où la Messouda, c'est mauvais pour elle d'être là-bas. C'est assourd, ça c'est assourd. Pour le moment, oui, on n'a pas le droit de déplacer. Et c'est pour cette raison, elle a dit l'étive à aller, pour que moi je dis, c'est pas là, pour ça. Là, c'est pas riche, mais a dit l'étive à là. Si Rav n'avait pas clairement dit l'étive à là, qu'est-ce qu'on aurait compris? Mande Hazir, ça va, des Mehama les Selchari. D'accord? Voilà. Ah, Rav, il a permis Mohamed Hessel. C'est pourquoi il a eu besoin de dire L'été va aller. Bon. Maintenant, moi, la question que j'ai sur ça, c'est quoi? C'est que quand tu dis Aïtoulé, Shouta, Lekana, quoi tu veux que je dise, c'est Mohamed Hessel. J'ai dit Lekana. En plus. Alors, Rachel, comme je dis, voilà pourquoi je veux dire le mot l'été va là. Parce que c'était la question de départ. Le mot l'étivala, c'est pas d'Afka, le soleil, Goufo. Non, l'étivala, c'est pour enlever que tu puisses penser que c'est Mahama l'essel. Ok, et la question, elle reste toujours. Là, toujours, je peux te l'enlever en disant les kana. Pourquoi quand je dis les kana, je comprends que c'est pas Mahama l'essel, parce que je dis c'est pour kana. Attends, moi j'ai une autre difficulté. Comme tu as dit, toi, il y a beaucoup de difficultés. Bon. Alors, les Kahana, ok, c'est vrai. Pourquoi elle dit les Kahana, c'est pas bien, ok. Alors maintenant, quand tu me dis, bon, supposons que les Kahana, c'est pas un problème. Alors tu dis, ah, tu sais pourquoi je dis, il était valé. Parce que sinon, j'aurais pensé que les gens, ils vont commencer, c'est Mahamal et Sel, c'est Moutar. Et là, je veux pas le faire. Ah, c'est pour cette raison que je dis, il était valé. Ah, il était valé, c'est-à-dire que tu as dit, il était valé. Tu n'as pas dit autre chose parce que les Mekomon, il s'arrête les Mekomon. Donc, de là, tu vois, les types, elle est montable, les Mekomo là. Donc, le problème, il reste intact. Non, ça, c'est pas obligé, parce que je peux te dire que le mot les types, allez, je l'utilisais pour enlever. Ah, tu utilises encore. Mais c'est pour qu'il s'assoie dessus. Mais c'est pour ça, d'accord? Oui. Alors pourquoi tu me le dis? J'utilisais les types, allez, pour enlever une avamina. Que c'est Mehama. Ah, ok. Genre, bon, okay. J'aurais pas dû le dire. Mais si j'avais C'est vrai. Parce que vraiment, normalement, j'aurais. C'est ça. Voilà. Normalement, j'aimerais le dire. Alors, au départ, on pensait qu'il a dit ça pour. Donc, j'ai un problème. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ce n'est pas. Tu vas aller pour me dire le comment. Non. Il a dit pour ça. Ok, j'ai compris. Merci. Voilà. Maintenant, pourquoi Rav, il n'a pas dit comme toi, tu as envie de dire au lieu de dire l'imkomo, les soleils gouffons, il aurait dû dire l'imkomo. Mm-hmm. D'accord? Oui? Il dit, qui dit une phrase comme celle-là? C'est la fin de Rashi, Bémet. Rashi dit, ou l'imkoma, loya sarir, de l'imashi, chef l'imkoma. Voilà, Rashi, le Rashi que j'avais commencé, je n'ai pas fini. Ou l'imkoma, loya sarir, de l'imashi, chef l'imkoma. Moi, si, j'aurais pu aussi dire, au lieu de dire soleils gouffons,
pour enlever le Mehamal Essel. J'aurais pu dire Sorech Mekomo pour enlever Mehamal Essel. Ouais, j'aurais pu dire ça. Pourquoi je ne l'ai pas dit? Mais parce que je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin que Rav s'assoie à la place. Rav Kana, qu'il s'assoie à la place de la Msouda. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça que j'ai besoin. J'ai besoin qu'il s'assoie sur la Msouda. D'accord? Je crois que ça répond à ta question. Rav Mari Barachel, on continue. Rav Mari Barachel, donc on ne dit pas le nom de son père, Kayadoua. Ah, je me rappelle de lui, celui-là. Aïe, 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 aussi. Quand on a fait Hassan Nafan. Guyour, son mari Guyour. Oui, 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 Hassan. Rav Mari Barachel, Awale Aï Besadjuta, Beshimcha. Il avait des coussins qui étaient au soleil. Ouais, Rashi dit Karim chez Levet, c'était en feutre. Ils étaient dans le soleil, donc ça pouvait s'abîmer. Est-ce que je peux dépasser? Donc, un coussin, c'est Klishim Lartol et. Mouter. L'éther, d'accord. Et Hamal et Sel, Mahadin, Mahlokt. Selon Rava autorisé, selon Rava Baye, interdit. D'accord. Donc, il a posé la question Maoul et Taltolino. Amal et Shari. Il s'est autorisé. Il lui a dit, mais Iklia Harina, je n'ai d'autres. Rava lui a répondu, Hazoul et Orahim, ceux qu'il y a dans le soleil, ils sont quand même aptes pour les inviter. Il lui a demandé, Itli Demi le Orahim, je n'ai d'autres pour aussi les Orahim. Amale Galita Dater, Dek Rabba, Sviralar. Tu as montré dans ta tête que tu penses comme Rabba, c'est cool et Alma Shari, Ledida Khasir. Pour tout le monde, c'est autorisé. Parce que moi, je pense que la halakha, c'est qu'autorisé, mais pour toi, que tu penses comme Rabba ou Abaye, eh bien, c'est interdit. D'accord. En fait, Galita Dater, c'est l'abdaka tout à la fin. Même un peu avant, déjà, quand il a dit le Orahim, ouais, quand il lui a dit j'ai des autres, déjà, on voit qu'il ne pense pas que Mahamad c'est autorisé. C'est-à-dire, on va aussi du Lorashba. Amar Rabbi Abba Amar Rabbi Chia Bar Ashi Amar Rav Mikhbadot Shel Milta. C'est quoi ça, Mikhbadot Shel Milta? Rashi dit Mikhbadot, c'est Escuba. Vous savez ce qu'est Escuba ou pas? C'est un escabeau. En espagnol, c'est un balai. On dit Escuba. Ah, ah bon? Oui. Moi, je pensais Escabeau. Non. Un balai en espagnol. On dirait que le vieux français, parfois, il avait des points communs avec l'espagnol d'aujourd'hui. Quoi. En tout cas, c'est ça la kavana. Shemchabdim et Tashulchan. Avec quoi on nettoie la table. Mikhbadot. D'accord. Shel Milta. On utilisait, il y avait des mikhbadot. Mikhbadot, vous laissez le mikhbad. Exact. Donc, on mettait à l'extrémité donc, de ces. Qu'est-ce que ça veut dire Escobar en espagnol? Balai. Vérifie, tu verras. Begadim lechabed shulchan chez Mlachtol Eter. Donc, pour nettoyer la table, qui s'appelle Mlachtol Eter, avec des vêtements, donc c'est une sorte de balai, c'est mettez un vêtement. D'accord? Moutal et Altelan be Shabbat. Dirav, on peut déplacer ces mikhbadotas pendant Shabbat. Aval shel Tmara, mais ceux qui sont faits en Tmara, c'est-à-dire comme aujourd'hui on a en palmier, d'accord? Ça, c'est pour le sol. L'eau, tu ne peux pas. Pourquoi? Rachid dit parce qu'il y a un problème d'ajoui et goumot. Il y a un problème de petit cliché, modèle habituellement de petit cliché, c'est interdit. Ce problème avec le premier balai. Le premier balai, c'est on essuie la table, pas le sol. Donc je reprends. Rav dit, Mirbadot Jemilta Moutal Tetam Shabbat, Avalo Sheltmara. Aval Sheltmara l'eau. Rabbi Lazar Omer, Av Sheltmara. Même Tmara, c'est autorisé. Demande à Gmara, Bema Askina, de quoi on parle? Il est malé sur le gofol, sur la mekomo. Si tu dis qu'on parle, j'ai autorisé sur le gofol, sur la mekomo, Bea le Mara, Av Sheltmara. Là. Quoi, Rav? Il veut pas que Sheltmara. Il veut dire que Sheltmara, c'est interdit. C'est parce que Sheltmara, c'est aussi gomout. «
Si je permets, c'est le Tmara Bessulhan, il va faire Tmara chez le Babay. Et ça, c'est aussi Gomot. Pardon. Oh, dire, mais, je n'aime pas façon de. Ouais, bon, mais c'est un changement de. Arrête de fumer, arrête de fumer. Elle va que si ça avait été ça le problème, j'aurais arrêté, c'est tout. Alors, je reprends. Donc, Diak Mara, Rabbi Azar, Mara, Fchik Mara, Bima Askinan, il est malé sur le gouffo, le sorek mekomo, la chine sur le gouffo, ça veut dire si je vais utiliser le balai sur le gouffo pour quelque chose de moutard, ou bien parce que j'ai envie de débarrasser le balai, le mettre ailleurs. Bien, les Mara, Fchik Mara. Alors, on a vu que Rav pense que Krishim Naktoli sur le sorek gouffo, le sorek mekomo, c'est autorisé. Alors, pourquoi il interdit Fchik Mara? D'accord. Véharab, qui est la vase virale, comment dire? Et là, Mehamal et Sel. Donc, de quoi? On parle de Mehamal et Sel. Il est en train de nous sauver. Alors, dis la Gmara, si tu dis ça, Lema, Rabbi Lezer, Afshel Gmara, quoi? Ça veut dire que Aklishim Lachtole, Isur, Mehamal et Sel, Rabbi Lezer, autorise. Personne n'autorise ça. Personne n'a vu qu'il a autorisé ça. D'accord? Mehamal et Sel, personne n'a autorisé. Même Rav Abaye et Rabba, ils ont interdit Mohammed et Sefri Shemadoulaïter. C'est Sefri Shemadoulaïsou. Afsel Mara, Léola, Mohammed et Sel. Yak Mara, Léola, mon père, Mohammed et Sel. D'accord? Rav, donc, Klishimartoulaïsou, il a interdit Mohammed et Sel. Emma, il corrige, Vechenama Rabil Azar. Il faut que tu dises ainsi, Rabil Azar a dit Mohammed et Sel. C'est interdit que les chinois. Donc, Rabbi Azar est d'accord avec. Alors, quoi? Que les ustensiles qu'on peut déplacer Shabbat, même leurs débris, on peut les déplacer. On va en parler de la Gemara. Au Bilvach et où aussi mène l'acha. Pourvu que les débris, on puisse faire quelque chose, une lacha quelconque avec. Par exemple, les débris d'une areva, d'une bassine, on peut couvrir avec ça une havit, une cruche. Donc, c'est deux mlachot différents. Chivres, roukhit, chassot, ben, pia, par. Ou bien, il y avait une bouteille en verre, elle s'est cassée. Ben, je peux utiliser chivres, roukhit pour couvrir, pia, par, une fiole. La biodormer, bilvat, chivon, simen, l'artan. Il faut qu'on puisse faire. Ouais. Meren. Mlachtan Arishona. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, on va voir tous les exemples. Bilvad, la vie au Daomel, Bilvad, chez eux, c'est même Mlachtan. Chez vrai, Areva, la soupe, le tochtan n'a pas. Par exemple, si c'est une bassine assez cassée, qu'est-ce que tu fais dans une bassine? Tu mets de l'eau, ta farine, tu fais une pâte, tu pétris une pâte. Alors, il faut aussi que les débris de la bassine, tu puisses verser là-bas, mirpa, un liquide visqueux, un peu comme la pâte. Il faut que les débris de Sroukhit, je puisse verser là-bas, la soukhle tochan, chem, et déposer là-bas de l'huile. D'accord? Donc, ça aussi un contenant d'un liquide. Voilà, selon Rabbi Yehuda. Donc, Rahak Kamil, Talakama pense, même Lacha, et Rabbi Yehuda pense, même Lachtan. Point. Gumara. Amar, Rabbi Yehuda, Mashmoy. Haloket, Shenishberu, Me'arif Shabbat. Donc ici, on va comprendre Shmuel, on va amener les paroles de Shmuel, on va les comprendre d'une manière, et puis après, on va changer, ça va être à l'envers. On avait déjà parlé un peu de ça, Manu. Oui. Ce DAF-là, j'ai l'impression que c'est un peu... Non, parce qu'il y a certains Mikorot, ça c'est un Tosfot qui l'a rapporté. Tosfot, au début de Perek Kolakelim, le Tosfot Adraba, oui, il a amené cette souga-là. Pour ça que tu as l'impression d'un déjà-vu. Ouais, non, mais même le DAF Hamoud Aleph, il y a eu pas mal de trucs. Oui, effectivement, il y a eu des choses qu'on a ramenées dans le DAF d'avant aussi. Mm. Oui, en effet. Amar Aviouda Amar Shmuel. Mahloket, c'est Nishberou Me'al Shabbat. Mahloket, c'est lorsqu'ils se sont cassés, Me'al Shabbat. Aïe Jimlachta, Mlachtan, et l'autre Jimlacha. Des morts ça va le même l'artan et même la chahelet là, ça c'est la biouda. Au mort ça va la filo même la chahelet, oui, ça c'est Tanakama. Avant, je vais le Shabbat. Pardon, si maintenant c'est ce qu'a fait pendant Shabbat,
Avant de jibiru be Shabbat, divra kol mutarin. Tout le monde est d'accord que tu as le droit de déplacer les débris sans problème. Pourquoi? Puisque à l'entrée de Shabbat, on pouvait le déplacer quand ils étaient emboîtés avec la source, leur avien, quoi, le kili lui-même. Une fois même cassé, tu peux les déplacer. Quoi? Voilà comment on comprend Shmuel. Pendant Shabbat, ça s'est cassé, tu as le droit de déplacer. Avant Shabbat, ça s'est cassé. Il n'y a pas eu une pensée particulière sur eux. D'accord? Alors, Tanakama dit si c'est Mlacha en général, bon, ça s'appelle tu peux le déplacer, il y a Mlacha. Et Rabbi Yehuda dit non, il faut que ce soit Mlachtan. Avant qu'ils se cassent, ils avaient une Mlacha particulière. Après, c'est cassé. Si ils ont encore Keren Mlachtan, tu pourras les déplacer pendant Shabbat. Sinon, tu ne peux pas. Ça, c'est comme ça qu'on comprend Shmuel. Tanakama va objecter sur cette façon de comprendre. Motiv, Rav, Zutrai, Mesekin, Bekilim, Mesekin, Meshivre, Kilim. On a une braïta ou une mishnah qui nous dit on a le droit de brûler des ustensiles en bois, j'ai un ustensile en bois, un verre en bois. Bon, j'ai pas de bois. Je prends l'ustensile, j'utilise en tant que combustible. Tu as le droit. Très riche. Par contre, en mesirkin beshivrei kelim, les ustensiles qui se sont brisés, on ne peut pas prendre leurs débris et les mettre au feu. On demande à Gmara, de quoi on parle? Quand est-ce que ça s'est cassé? Il m'a dit, Nishberu, mais Erev Yom Tov, si ça s'est cassé, Erev Yom Tov, Asim Be'al Maninu, ça veut dire sans aucune pensée particulière, tout ustensile qui s'est cassé pendant le temps, en bois, c'est destiné à la Asata, sans même une pensée particulière, c'est destiné à la Asata. Le cas d'avant, comme il fait une lacha particulière, il faut qu'il y ait une pensée là-dessus. Mais ça, non. Comme ça, Marcha, il a l'air d'expliquer pour qu'on comprenne la différence entre le cas d'ici et le cas d'avant. Et donc... Attends une seconde, je finis après. Marcha, il dit, les gabé à Saka Biyom Tov, pshit allé les Talmuda de Urkan ou Mère Biyom Tov. Destin, mais c'est là, Saka Nitnou. Aval, Benishberu, Mère Shabbat. Le cas d'avant, Debaël et Acharjvirat. Torah Keli, l'absikale de Urkan ou Mère Shabbat, il n'a pas à au Baël et Mémar de Pigibert. Très bien. Maintenant, on reprend la Gmala. Il imagine Benishberu, Mère Biyom Tov, et c'est Mère Maninou. Et là, au Bayom Tov, donc n'est-ce pas qu'on parle que les ustensiles en bois que je t'ai interdit d'utiliser en tant que combustible une fois brisé, c'est parce qu'il s'est cassé pendant Yom Tov. Et donc, Tatane Mesirim Bekelim, VM Mesirim Bekelim. Tu vois bien, on ne dit pas que Utaru Agav Avien. Voilà la Pushia. Et là, il y a Itmar. Si Shmuel, il a dit une phrase, c'est celle-là qu'il a dit. Juste avant que tu finisses, tu as encore de dire. Vas-y. Nous, je voulais simplement comprendre. On dit, « Il est manishberu me'arvium to, va'insebe'al manenu. » Et donc, pourquoi tu dis, on n'a pas le droit de l'utiliser, c'est ça? Juste. Ok. Et là, Itmar. Amar Yehuda Mashmuel, Mahloket, Shinjberu, Beshabbat. Le contraire. Mahloket, Mlacha, Umlachtan. C'est lorsque c'est cassé pendant Shabbat. Demor, Savar, Mukhanu. Ah, il pense. Mukhanu s'appelle prêt. Omor, Savar, Noladhu. Et il pense. Ça s'appelle. Nolad. C'est-à-dire, si maintenant. C'est quoi, ça s'appelle Nolad? Si maintenant. Tu ne peux pas faire un Mlachtan. D'accord? Un, il dit, c'est Mukhan. Et l'autre, il dit, ça s'appelle Nolad. D'accord? Parce que hier, il ne pouvait pas faire cette utilisation-là. Très bien. Alors, pour pouvoir autoriser, il faut que ce soit Me'en Mlachtan. Comme ça a toujours été destiné à ce genre d'utilisation. D'accord? Omar Savar Noladu. Aval Maerev Shabbat.
Mais si ça s'est cassé avant Shabbat, tu veux la col moutarine ou il vaut chan ou l'imlacha, mi beodio. Et ça, on peut pas le faire. Tout le monde est d'accord qu'on pourra l'utiliser, puisque même si tu n'as pas une pensée particulière, leur nouvelle utilisation, elle était déjà ouais, applicable avant l'entrée de Shabbat. Pour Khanoukvar, l'imlacha, la nouvelle mlacha, ouais, même si c'est une autre mlacha, mais Erev Shabbat, mi beodio. Bon, je recommence. Si c'est mi beodio, c'est cassé. C'est à l'envers maintenant, on pense. Tout le monde est d'accord que ça marche. Pourquoi? Parce que Khanoukvar, l'imlacha, même si ce n'est pas mlachtan, donc même le Bouddha va être d'accord. Par contre, si ça s'est cassé pendant Shabbat, le Tanakama a dit que ça s'appelle Mouchan quand même. Et la Biouda a dit non. Quand on peut l'utiliser pour une macha quelconque. Hein. Et la Biouda a dit non, ça s'appelle Nolad ça. Si ça avait été, on peut l'utiliser pour la même utilisation. Donc ce n'est pas Nolad, c'est un Achenami. Mais sinon, ça s'appelle Nolad. Juste une question sur la Gemara qu'on vient de faire. Tanakama qui pense que c'est Mouchan, oui. Mm-hmm. Comment il fait avec la Mishnah de En Mesikin, Shivre Kelim, chez Nishberu Beyom Tov. Lui, il a dit que ça s'appelle Mouchan. Agavavien. Ouais. Non, pas Agavavien. Il dit que dès l'instant tu peux faire une lacha, ça s'appelle Mouchan, même si ce n'est pas Mlachtan. Comme c'est cassé pendant Shabbat. Appelle ça comme tu veux. Alors pourquoi le Tana, il a dit, le Tana qu'on a ramené juste avant, il a dit Kelim en bois, tu peux les brûler, mais Shivre Kelim, tu ne peux pas. Et on a établi qu'on parle qu'ils sont cassés, l'ustensile en bois, il s'est cassé pendant Yom Tov. Et tu ne m'autorises pas. Pourquoi? Selon cette dernière-là, pourquoi? Peut-être parce que. Donc, je vais pas l'utiliser pour Mlachtan. Non, mais j'ai pas besoin de Mlachtan, moi. Peut-être parce oui. que ça s'appelle plus Kelly. Mm-hmm. Ça s'appelle plus Kelly. Encore ici, ça s'appelle Kelly. C'est pas Mlachtan, mais c'est Mlacha. Mais c'est encore un Kelly. Alors que là, quand c'est Keshivre ici, c'est peut-être même plus un Kelly. C'est pour ça que c'est ce qu'il n'autorise pas. Bon, et je n'ai rien dit. Dis-moi, et cette histoire de Noulad, etc., elle n'est pas valable pour Yom Tov? Je n'ai pas compris. Quand elle a répondu l'histoire. Ah non, parce que là, c'est question de Noulad, Mouchan, de Noulad, ce n'est pas question de Moukse, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas Moukse Mahmat Issour, Mahmat Melacha, non. C'est question de Noulad. T'as une question là ou pas? Oui, est-ce que quand il a répondu par rapport à Noulad, est-ce que c'est cette Noulad-là que Bishabbat ou Gabi Yom Tov? Le Gemara parle de Shabbat, mais je peux te dire au Adin Yom Tov, c'est quoi le problème? Ah, ok. Ok. Bon, il y a des mahlokes sur ça, ce qu'on dit. Amar Rav, non, Tani Hadam Mesikin. Il y a une braïta qui dit qu'on peut brûler des ustensiles, mais pas les bris. Ouais. Betania idar keshem shem mesikin bekelim, kach mesikin beshivre kelim. Deuxième tana, il pense. Il y a encore troisième. Troisième tana, betania idar el mesikin lo bekelim velo beshivre kelim. Comment on fait? Il y a trois braïtotes, les trois se contredisent. Répond la Gemara, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabbi Nehemia. Rabbi Shimon, c'est celui qui n'a pas mouksé, il n'a pas nolad, donc il autorise tout. D'accord? Peut-être que ça peut répondre à la question qu'on a posée tout à l'heure. Voilà. Il autorise tout. D'accord? Ça répond à la question peut-être qu'on a posée juste avant. Donc lui, il autorise. Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, celui qui va autoriser, il va autoriser Kelim, mais pas Shivre Kelim. Pourquoi? D'accord? Parce qu'il a mouksé venolad. Donc maintenant, on a répondu à notre question de tout à l'heure. Quand celui qui a dit que c'est encore Mouchan, c'est parce qu'il pense comme Rabbi Shimon. Ah oui. Et à Rabbi Nehemia, celui qui dit En lo bekelim velo beshivre kelim, même kelim tu ne peux pas parce que En kelim tu peux le déplacer que le sorech tashmisho amiuchad lo. Non, c'est pour boire avec le verre et pas le déplacer pour aller l'éliminer. Voilà.
ce que pense Rabbi Nehemia. Quoi? التصفات على بين حماد زير الله دين كليني تالي لا صار تشمشو أرجيل بحال قدم فرش برق بمدكين وين مي إن رجيل بحال يصرفه donc là on se met au vraiment si tosfot il n'était pas là on n'aurait pas compris ça alors voilà toi tu as dit ça grâce au tosfot non mais non et je crois que tosfot en fait qu'est-ce qu'il veut? En fait, Tosfot, il est en train de suivre, on dirait la chita de la Bidoutab dans Daf Lamedva, à Moudrichon, là-bas. On a déjà expliqué que Rabbi Nehemia a deux manières de le comprendre, ou comme Rashi, ou comme la Benoutab. Et là, ils veulent faire marcher selon la Benoutab. Bon, tu verras, Tosfot là-bas, tu vas comprendre ce que Tosfot ici veut dire. Ok. J'ai une arrêt ici, je vois c'est quoi, une seconde. Et... Kedé Pirachnou. Voilà. Kedé Pirachnou. D'accord. C'est sûr que pour Rashi, c'est comme ça. Mais même selon Rabbi Noutam, qui n'exige pas que uniquement pour l'ustance, pour le. Même s'il a d'autres tachmishim, ouais, quand même, ça s'appelle, on peut le déplacer pour ça. Et si je t'apprends, ça ne s'appelle pas un tachmish lorsque je le mets pour brûler. D'accord. Ça, ça s'appelle En Ragil Bechol Isrofoto, et donc, même Rabbi Nehemia ne va pas t'autoriser. Ça aussi, il n'autorisera pas. Bon, mais si tu veux te sauter là-bas, tu comprendras ce qu'il veut te sauter ici. Amar Avnachman. Ané, Libne de Ishtayur mi Binyana. Ces briques, vous savez, parfois, pour construire, on a besoin de briques. Donc, ça veut dire que c'est les briques qui sont destinées pour la construction. Mais une fois que j'ai fini la construction, alors, je pourrais les déplacer. Parce qu'elles ne servent plus à la construction. Pourquoi? Pour que je m'accoute parfois dessus, sur eux, sur ces briques-là. Sur elles, oui. Anel ibne de Ishtayur mi Binyana, ces briques-là qui restent de la construction, Shalil et Saltolin, on peut les déplacer des Hazol et Mizgal, puisqu'on peut s'accouder sur eux. Shargin, on va d'ailleurs, si maintenant les arranger, c'est sûr que c'est devenu de nouveau interdit parce qu'il va les réutiliser pour une nouvelle construction. Construction. Amar Rav Nachman, dire Amar Shmuel, Heres Ktana, Heres Ktana, Mutar et Taltel, Behaser, Aval Bekarmelit, là. Un petit Heres, un petit morceau d'argile, on peut le déplacer dans le Haser, mais pas dans le Karmelit. C'est quoi la différence? Là, j'ai dit, Behaser, Shri Hibek Kelim, dans le haser, il y a parfois des ustensiles que ce haser-là, je peux l'utiliser pour ces ustensiles-là, les couvrir ou autre chose. Donc, Torat Keli Alam. Et Karmelit, il n'y a pas d'ustensile là-bas. Donc, le haser qui se trouve là-bas, tu n'as pas le droit de le déplacer. Et Torat Keli Alam. Continuons. Rav Nachman, ça c'est Rav Nachman au nom de Shmuel. Rav Nachman lui-même, Amar Afilu be Karmelit. Même Karmelit, tu peux le déplacer. Ah, mais on n'a pas le droit de porter de Karmelit, non. Toch al Bahamot, comme il dit Rashi. D'accord? Pourquoi? Pourquoi une différence? Alors là, Rashi explique des shrihi. Afilu be Karmelit, ou il velav reshut al abimo. Shrihi de az le veyat vatam, vehazi le chassot borok. Il y a des passants là-bas, et donc on peut utiliser ce halazna pour couvrir un roc. D'accord, un crachat, des glaires, des choses comme ça. Hein. Donc, Torat Keli Alam, mais les jours Tarabim, l'eau. D'accord. Troisième opinion. Rava Amar, Afilu Bershut Tarabim. Pourquoi? Rava pense, dès l'instant aussi, dans le Haser, ça s'appelle Torat Keli Alam. Alors, même dans le Jout Tarabim, ça s'appelle Torat Keli Alam. C'est pas dépendant du lieu. Ouais. Si ça s'appelle dans un lieu, un Keli. Alors, même dans un autre lieu, il s'appellera Kelly. Même si cet autre lieu-là ne risque pas qu'on l'utilise. Ouais. Voilà ce que pense Rava. Vazda Rava est à Medi Ragmara Rava et Suisse Tachita. De Rava, Awa Kazil Beritka Demhoza. Alors, un jour, Rava a marché Beritka, c'est un rechut à l'abîme, Demhoza, de la ville, Itwasa Imsane, Tina. Ses chaussures se sont salies de la boue. Ata Shamae, son chamash, il est venu. Shakal Haspa, il a pris un morceau d'argile.
tête est posée là-bas. Puis Kam Khapele, il est en train de nettoyer la chaussure de Rava. Oui. Ramurber Abaran Tala, les Hachamim qui étaient présents, commencent à crier, les Talmideh, les jeunes Hachamim, oui. Commencent à crier, oh, qu'est-ce que tu fais là? C'est un sourd. Amar Rava, il a dit, l'amnesty de l'agmire, ça ne suffit pas qu'ils n'ont pas étudié. Migmanami Megamre. Et même enseigner, ils sont en train d'enseigner. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'enseigner des choses fausses. Il y a beaucoup comme ça. Il y a beaucoup comme ça. Attends une seconde. Milo Awa Hazia. Les Khasouye B, Mana. Si j'avais été dans le Hasser, ça ne s'appelle pas un Kelly. Je peux l'utiliser pour couvrir un ustensile, n'est-ce pas? Akhan Ami Hazia, il dit, puisque là-bas, c'est bon. Même ici, c'est bon. Je peux l'utiliser pour essuyer ma chaussure. D'accord? Donc, je me suis posé une petite question dans ce moment-là. Pourquoi Rava, il leur a dit étudier, ils n'ont pas étudié. Mais ce n'est pas Ari Rav Nahman, il interdit. Shmuel, il interdit. Pourquoi? Celui qui pense comme quelqu'un d'autre, ça s'appelle qu'il n'a pas étudié. Ouais, on a déjà vu ce genre de touchia. Oui. La Gemara elle-même, elle pose. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous vous rappelez, même de toute façon, une fois. C'est vrai. Waouh! Ouais, il a posé cette question contre Rashi, dans la Sugya de Chovel ou Mavair. Ouais, pour faire un mot de Richard, le premier Tosfos. Bon, on voit que dans la chaîne, parfois on l'a fait. Ici, la Gemara ne l'a pas fait. Peut-être qu'il a dit parce qu'il était énervé. Rava, il n'est pas facile. Hein? Il était énervé. Moi, je pense comme ça, vous m'embêtez. Si vous qu'il me donne l'argent, je le résous son halom comme je veux. C'est pas Rava, c'est Rava, il a suivi de cette histoire-là. Ah bon, c'est le contraire, ouais. C'est pas le contraire. Ah. Rava, il a souffert à cause de ça. Alors, vous allez dire, c'est ma bouche. Question, tu demandes à Jonathan, il connaît parfaitement toute la soukia. Ouais. De mon pote, là-bas. Ah ou de Brachot. Je me rappelle, Brachot. Ouais, à la Rava. Moi, j'allais dire... Il y a beaucoup comme ça, hein? Pas seulement qui ne. Bon, hein? Mais... Ah, mais paye, Amos, paye et tu auras des bonnes nouvelles. Non, il ne va pas dire ça. Il va dire ça. Non, je ne vais pas dire ça. Allez, je t'interromps parce que on est dans une semaine. Dans une semaine, c'est le Rosh Hashanah. Je ne veux pas que tu dises. C'est le Rosh Hashanah, d'accord. J'ai compris. Oui, les Kamsrout. Que la va, Marabim. Tosfot, ou bien, et Denis Bero, Baël Shabbat, Tosfot, dit attention, on parle qu'ils se sont cassés, et on sait que ces débris-là se sont cassés depuis la veille de Shabbat, Tamar, Denis Bero, Baël Shabbat. Car si c'est pendant Shabbat que ça s'est cassé, Tamar, le père Notel, Rava a été mourcé. On verra plus tard que Rava, il a mourcé, et à plus forte raison que s'il a mourcé, qu'il a Nolad, qu'il va donc interdire. Pourquoi donc ici, il a autorisé qu'on le déplace pour essuyer sa chaussure, il a marre, c'est parce que il pense, enfin, le cas était que les débris, avant Shabbat déjà, ils étaient débris. Amar Aviuda Majmoel, Megoufat Ravit, chez Nirteta, une cruche qui s'est brisée. Maintenant, il y a une Megoufa, toute seule. Ouais. Moutal est tel be Shabbat. Je peux l'utiliser et déplacer pendant Shabbat pour couvrir autre chose. Il n'y a pas de problème. Tanyan Amiachi, une Braïta qui va dans le même sens. Megoufa, chez Nirteta, i, vishivre, amoutal et tel la be Shabbat. Megoufa, chez Nirteta, que la cruche s'est cassée, comme ça il faut comprendre, eh bien, elle, la Megoufa, ainsi que les débris de la cruche, on ne pourra les déplacer pendant Shabbat. Mais attention, parfois, il y a des débris en argile, mais tu as envie de les casser pour que ce soit bien lisse. Ouais, attention de faire ça. Pour enlever les blitotes, comme ça Rashi dit, oui. L'oïspot mène à chèvre, le chassot bait à keli. Vous les smorts bak à la mita ou pour soutenir les pieds d'un lit. Oui, mais ça ne va pas. Ah, saoul. Si par contre, il a jeté, ouais, il a jeté la mégoufa, d'accord, dans la poubelle, alors il n'a pas le droit de l'étaler l'ota. C'est ça, fait plus keli. Il bat tel tolat keli, mais à l'air. Il n'est pas d'accord. Et là, Matas veut dire que l'églimé à Chinami d'Assou, quelqu'un a jeté son vêtement Shabbat à la poubelle. Ça veut dire, ça y est, ce vêtement il est mourcé. Ah, 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 ah.
Rakeli, c'est Rakeli. Rapapa, il dit, Matkila, Rapapa, la matin, ça dit que les glimères qui n'ont pas été là, ma Rapapa, im zarka mi biodium, la spasura. Si la mégoufa, il a jeté pendant Shabbat, bien sûr que tu peux la déplacer, même si elle a jeté à la Shabbat. Mais s'il a jeté Erev Shabbat, à ce moment-là, Erev Shabbat, avant l'entrée de Shabbat, il te battait Mimena Torat Keli. Là, pendant Shabbat, tu ne pourras pas le déplacer. Alors. Et sa glimi, s'il a jeté sa glimi, Bashpra, Erev Shabbat. Très bien. תוספות, אם זרקה מבעוד יום, השתה לא פריך אלא מעטה זרק לגלימה מבעוד יום. וכיוון זה לא היה מוכן מבעוד יום, לכל דמויה לגלימה. דקור. כשכיוון תוספות, תוספות תתקבל עם דיפרנס אונטרו למגופה לבטמון. לבטמון, זאת אומרת, בטמון. ממש כשתה ערב, שבת. ולמגופה, כשכיוון שבת, כשכיוון דשע שותה, יפלו. Shem Keli Alav, à l'entrée de Shabbat, déjà, il n'y avait pas Shem Keli Alav, c'est pourquoi ça, je peux accepter. Sincèrement, avant de venir Shabbat, est-ce qu'il ne pouvait pas donner cette réponse-là déjà, même Shabbat? Parce que l'autre, les Megofa, quand Nishbira, vraiment, quand Nishbira, il n'y a plus Keli, il n'y a plus de notion de Keli. La Megofa, elle est entière, elle n'a pas de problème, la Megofa. Ah, la Megofa, il a dit, eh, Bouchbara, ah. C'est le Keli qui s'est brisé, maintenant il met comme ça. Ah, d'accord. Baruch Adonai le'olam. Amen, ve'amen. Nous avons le Kerbi. Ah, ça va. Baruch Hashem. Bon. Aujourd'hui, j'étais un peu fatigué. Eh oui, mais c'est pas la peine de me dire que tu es fatigué. Slihot ou Kermoussim et tout ça, tu vas dormir maintenant, peut-être que je ne sais pas encore dans une heure et deux. Pas pour Slihot. D'ailleurs, j'ai fait une petite pause entre 8h et le DAF. Je me suis reposé une petite demi-heure là, je me suis allongé un petit peu. Mais ça va, c'est bien. Bon, allez, Baruch HaShem, l'Olam Amen V'Amen. À demain, Bezat HaShem. Cette semaine, on va faire normal. Là, normalement, on fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça nous fera 5. Après, on aura Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est Shabbat et dimanche. Dimanche, on ne fait pas, mais on fera lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. D'accord ? Ça nous fera 5. Bezat HaShem. Après, on verra. Alors, la semaine de Kippour, on verra. Refouach les mains, Rebemé. Refouach les mains, j'ai entendu. Ça m'a fait de la peine. Hein, ça me fait de la peine. Tu sais pourquoi ou pas ? Pourquoi ? Je pose la question. Ah non, c'est pas Corona, c'est pas Rebemé Salal. Ça ne sait rien. Je ne sais pas. Ils ont dit que ce n'est pas le corona. Et mais pourquoi souvent il a des choses comme ça, lui ? Il est fragile quelque part ? Mais le bébé, il est fragile, mais lui aussi, tu sais. Il a un certain âge, non ? Il te parle que la doucement. C'est vrai, hein? Peut-être. Rabbi, allez. Ok, Aya. Allez, bye. Celui qui n'a pas fait vite, qu'il fasse vite. Ah, merci de m'avoir rappelé. Allez, bye.